smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Et bonjour. Bonjour à tous. Salut Snade. Bon. Eh bien, j'ai deux trois petits trucs à faire, donc on va le faire en même temps que le compte. Donc le compte est créé, je l'ai fait cette nuit. Hop. Donc on va le regarder. Bon. On va rester comme ça sera plus simple. Je l'ai créé du coup cette nuit. J'ai juste fait passer le tutoriel. J'ai passé le tutoriel, j'ai juste vite fait l'émission et j'ai fait une invoque sur les tickets. Avec les 5 tickets du coup qu'on avait en récompense du week-end. C'est pour le moment, c'est tout ce que j'ai fait. Et historique, allocation. Ouais bon, le didacticiel on s'en fout, voilà. Et du coup on a eu Larry Brienne et le Vegeta Super Saiyan 2. Donc au moins ça nous permet de faire une toute petite équipe pour au moins aller farmer un petit peu les missions, les trucs comme ça qui traînent à droite à gauche pour faire monter le truc de DS là-haut. Ouais, le Vegeta Bulma. Et on l'a eu, voilà, on l'a eu sur les tickets. Bon, je viens de montrer, on a juste eu les tickets. On a eu ça et Larry Brienne sur les tickets. C'est le seul truc que j'ai fait cette nuit vite fait, histoire d'avoir de commencer une team. Et comme vous voyez, c'est que le début, hein, niveau 50, parce que j'ai donné des trucs d'entraînement pour avancer. Mais après, c'est du SR et du normal. Hein, donc voilà, il est cran 15, parce que je m'attendais pas à ce que ça monte si vite.
Et au final, les rangs montent assez vite. Donc, je vais faire mon possible pour me connecter tous les jours dessus et récupérer donc les bonus de connexion, les cadeaux. En off, je vais faire le strict minimum. Et en live, on va beaucoup jouer histoire de le faire avancer. Et c'est vous, en gros, donc qui sera à donner pour les 4 ans. Quand exactement, je sais pas. Si ça sera à la fin des 4 ans, si ça sera avant les 4 ans. Mais du coup, si vous voulez invoquer sur des portails ou quoi que ce soit, c'est vous qui décidez. Ce n'est pas moi. Puisque moi, je n'invoquerai pas, je ne ferai que le jouer. C'est vous qui déciderez où et quand vous voulez invoquer, comment, etc. Voilà. Donc ça, c'est un peu. Et donc là, aujourd'hui, on va faire ça, on va le jouer, on va le faire monter de rang, on va essayer de faire 2-3 trucs à droite et à gauche, histoire de le faire. Mais comment je vais le donner, j'en ai encore aucune idée, Snide. C'est quelque chose sur lequel je vais réfléchir, j'ai le temps, du coup, jusqu'aux 4 ans. Comment je vais le donner, je sais pas. J'ai beaucoup d'idées en tête, on verra. Peut-être Twitter, mais voilà, on a discuté donc avec Mardi Gras hier. On avait quelques idées en tête. Et puis voilà, mais on se rejoint sur certains points. C'est-à-dire que moi j'aimerais bien le faire gagner aux gens qui me suivent, qui viennent sur mes lives et qui me suivent. Il est plus régulier en tout cas. J'ai bien une petite solution pour filtrer un petit peu tout ça. Mais si je veux le filtrer, la seule possibilité que j'ai, c'est Twitch. C'est-à-dire qu'il va falloir passer sur Twitch pour en profiter, tout simplement. Et la deuxième idée, du coup, ça serait de l'ouvrir vraiment à tout le monde. Donc pas de discrimination, ça sera vraiment à tout le monde. Et salut Gogeta. Et si c'est pour tout le monde, ça sera sur Twitter. Donc vu que je sais pas encore, je vous conseillerais peut-être plus. Toujours les mêmes qu'on attend, ouais, mardi. Je vous conseille peut-être plus de passer sur Twitch le maximum du temps. Restez sur Twitch, venez sur Twitch pour le giveaway, ou alors pour le Twitter, tout simplement. Je sais pas encore. Je sais pas trop encore, donc voilà, je vais y réfléchir. J'ai jusqu'aux 4 ans pour le moment, mais là, voilà, on va juste le jouer actuellement. Et pour le giveaway des 4 ans, on verra comment ça se passe. Salut Dokkan Gaming. Je vais rejoindre notre ami mardi. Et puis voilà. Yo poulet. Yo. Comment va? Comment ça va? Ça va et toi? Ça va. Bien mangé? Ouais. Un peu beaucoup. Disons que ils ont ramené l'entrée. Je croyais que c'était le. Je croyais que c'était le plat de résistance, tu vois. Ah merde. Ça fait mal. Ah, tu me diras, c'est les trucs des parents. Hein. Ah putain. Mais c'était bon, hein. Tu m'étonnes. Tu sais les. Comment ça s'appelle Ah, je sais plus, c'est un truc fourré. Mais c'est trop bon, mais. Enfin, moi, généralement, je me fais un repas avec ça, tu vois. Et là, non. Il me sert ça, donc moi, je le mange, je me dis, bon, bah, ok, on va passer, tu vois. Salade dessert ou juste dessert. Moi, salade, je suis pas trop fan. Ouais. Et non. non. Mon père, il se ramène avec une assiette de viande. Ah, putain. Il y avait l'équivalent de 4 steaks pour 3, sachant que ma mère mange pas trop de viande. Donc voilà. Donc j'ai fait bon, bah ok. Magnifique. Bouffé quasiment l'équivalent de 2 steaks tout seul. On attendait mon oncle et ma tante pour le dessert, mais comme ils étaient pas encore partis, au bout d'un moment j'ai fait bah, je vais y aller de toute façon, là c'est bon, j'ai plus faim. Ok, ouais, parce que je m'attendais à ce que tu arrives, que tu reviennes plus tard, quoi. Ah, bah j'avais prévu de rentrer, je pensais rentrer ouais, sur les coups de 4-5 heures, mais ça me faisait chier d'attendre. Donc voilà. T'es rentré,
Ok. Voilà, voilà. Ah mais putain, je peux zoomer. Mais bon. Bon bah, c'est cool. Oui. Bien mangé, bien rigolé. Moi, je me marre bien chez mes parents. Mais ils habitent pas loin du coup. Non, ils sont à 10 km de chez moi. Ah oui, effectivement. Oh non. Putain, y'a pas moyen. Restaurant. Alors, Bard de Keller, Black Keller. Waouh, bah c'est pas mal. Le Black, c'est pas mon préféré, loin de là. Par contre, le Bardock est très bien et en plus, il est facile à jouer. Donc, pour commencer, ce sera pas mal, Sercoq. Et t'as le bonjour de Dylan. Salut, Dylan. Et ouais, bah pareil, j'aime mieux trop manger que pas assez. En vrai, j'ai pas envie du compte, donc ça m'intéresse pas tant que ça. Bah écoute, après, on verra. Qui veut jouer, jouera. Qui veut pas jouer, jouera pas. C'est le principe du giveaway. Après, comme je l'ai dit, enfin, comme je disais au début. On a discuté avec Mardi Grayer et c'est vrai que si là maintenant ce compte là je dois le jouer avec vous et le faire en giveaway aux 4 ans, ça me ferait chier qu'un random qui passe par là le soir du giveaway le gagne quoi. Donc je sais pas trop encore comment je vais faire. Bon en tout cas là on va continuer à le jouer, on va le faire monter en rang, on va essayer de récupérer des DS et tout, mais et puis après j'ai mon montage des vidéos Tiki Weekend à faire, qu'on fera vite fait, enfin je ferai le commentateur du truc tout à l'heure. Là pour moi j'ai juste un souci, c'est que j'ai des notifs qui s'affichent et je veux les flouter. Et je me souviens plus comment on les floute, c'est magnifique. Yo Lord Otaku, j'ai déjà un compte sur la Jap moi qui est bien fourni. Et d'ailleurs voilà, j'écoute et je fais de la merde. Je sais même pas comment je suis mort, je sais même pas pourquoi, j'ai pas regardé ce que j'ai fait. C'est pas grave. Dokkan de Bardock 3 est vraiment hyper simple, ça va aller vite ses médailles, ouais clairement. Clairement, clairement. Qu'est-ce qu'on fait là du coup, pour ceux qui sont en live et... Et oui c'est Eldan Abyss. Oui c'est moi. C'est moi Abyss, salut. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse du coup sur ce compte là? Pour le moment on farme juste les quêtes, on farme des persos en événement, sachant qu'au bout d'un moment il va falloir que... Fais les quêtes au début. Ouais, ok. Parce que tu vas monter trop vite l'XP avec les persos événements. Ouais, enfin j'ai pas beaucoup d'ACT, j'en ai que 30. Hein. Bah oui, mais l'XP ça va monter super vite. C'est quel level là hein? 15. Bah j'ai pas joué, hein. Je l'ai juste lancé hier, j'ai fait 3 trucs. Au niveau 20-25 avec les quêtes. Et après tu fais Guillaume. Ah oui, pour faire. Si faire tu veux pas invoquer et tout paquer pour les 4 ans, il va te falloir une team Guillaume pour. C'est pas moi qui décide, c'est les viewers. Mais je suis un viewer moi. Ouais. Non, je verrai. Mais pour le moment, on va juste le jouer. Et s'ils veulent qu'on invoque sur un portail, on invoquera. C'est leur compte pour le coup. Moi je ne fais ah oui, que. Je ne suis qu'une main. Oh, une main? Ouais. Ah, j'ai un truc à te proposer. Ça ne m'intéresse pas, merci. Oh non. Non, moi je ne suis qu'une main sur ce compte. Après, c'est eux qui se démerdent avec leur truc. C'est-à-dire que si vous voulez qu'on invoque, il n'y a pas d'ES, bah, c'est comme votre pop compte, votre propre compte. Vous donnez des sous, je les mets dans ce compte-là et on invoque. Mais en soi, c'est votre compte. Moi, tout ce que je suis, c'est... Le mec qui va farmer, je suis le mec qui va le farmer et qui vous l'offrira pour les 4 ans. Je vous donne le multi Twitch les gens. J'ai fait la même. On me dit dans l'oreillette ne confie jamais l'avenir d'un compte aux viewers. Ouais, je sais que c'est très je sais que c'est très risqué. Bah, ils vont te faire invoquer sur tous les portails ah bah, pour ouais. Voir des invocations. S'il n'y a pas de death, il n'y a pas de death, hein, on n'invoquera pas. Hein. Oui bah après. Après ça dépend si c'est un compte, je croyais que c'était un compte pour les 4 ans et du coup pour packer les DS pour les 4 ans. Ben je sais pas, je pense que c'est ce que je vais faire, ouais, faire vivre en live, mais je pense que, de toute façon dans tous les cas il n'y a plus de portails intéressants qui vont arriver d'ici les 4 ans donc. On sait pas avec le Goku D, on sait pas ce qu'il nous prépare. Hein. Ah ouais, si à la limite, à la limite un portail peut-être qui peut sortir avant les 4 ans et qui peut nous mettre dans la merde, c'est le kit Goku. C'est le seul portail qui peut éventuellement poser avant... Merde. On va nous mettre dans la merde non.
qui peuvent, non pas nous mettre la merde, mais qui peuvent éventuellement poser avant le. Avant les 4 ans. Bon, elle est où cette putain de notif là? Elle est là. Alors, comment je floute maintenant? Yep, Dylan. Dis pas que 5 DS c'est pas de... c'est pas pas de DS pour un viewer de Cal Lambda. Ouais, je sais, je sais, je sais tout ça. T'auras jamais fait autant de singles de ta vie. Ah putain, je vais autant, j'aurais jamais autant insulté les viewers de ma vie que quand ils vont me faire oh, vas-y, go invoquer 5 DS, t'auras peut-être la chance. Et ta mère, ouais, tu vas voir, je lui fous 5 DS dans le cul. Voilà, c'est ça qu'on veut voir. Putain, la frustration, quoi. Putain, je sais plus du tout. Tu vas avoir des réponses à la Mardi Gras, tu vas invoquer, bah tu crées un compte, tu farmes des DS, tu t'invoques. Putain, je sais plus du tout me servir de Sony Vegas, c'est avec, avec le meilleur nom, ton nonchalant que tu peux avoir. C'est ça. Oh là 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 là, je me souviens plus comment on utilise Sony Vegas. Comment flouter un endroit précis sur Sony Vegas, ouais voilà, hop. Alors. Eh ben, lance-toi, putain de vidéo. Salut tout le monde, c'est Meuchoué. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto, un nouveau tuto. Comme vous avez vu sur ma chaîne, pour l'instant, il y a beaucoup de tutos bah, parce que vous allez redimer ça et j'ai beaucoup de trucs à vous apprendre. Donc, je vais d'abord vous remercier pour le retour qu'il y a eu sur les tutos packs. Ça les encouragera jamais. Il y a vraiment des très bons tours. Je crois que l'autre, c'est 9. Ah, de quoi, pardon, j'étais en train de regarder une vidéo. Non, on me dit single du désespoir, puis un jour, ça va marcher en live. Ça marchera une seule fois, mais ça les encouragera jamais. Ouais, c'est ça. Donc je vais. Cheers 1 grâce au multi Twitch, je vais pouvoir vous embêter tous les deux. Oh merde. Non. Non. Moi c'est pas pareil. Pas pour le moment, il est tout seul. Ouais. Non mais ce que vous comprenez pas, c'est que Mardi, il a un certain contrôle sur son sexe. Pas moi. Moi, si j'ai des dons, je contrôlerai pas. Mon bureau va se soulever, vous me verrez plus. C'est très embêtant pour vous. Il faut pas. Enfin, il faut pas. L'avantage de l'âge avancé, c'est qu'à un moment, tu bandes plus pour un rien. Ah non, moi, une souris un peu sensuelle, et puis c'est bon, ça y est, c'est parti. Hein. Yoli, comment ça va? Son like, carrément. Donc ben je vais continuer hein, puisque ça vous plaît. Donc là vous verrez cette vidéo avant le tuto 3. Clique sur la petite flèche en haut à droite de ton menu. Parce... Ouais. Ah yes, et déjà. Et puis tu peux agrandir la fenêtre du menu pour tu sais pour pas voir le menu play tout en haut là. Ah ouais, je fais ça comment? Bah tu baisses un... tu descends un petit peu tu sais sur ton écran le enfin comme quand tu redimensionnes une fenêtre en fait. Ouais. Ah oui, d'accord. Tu ton menu play, tu vois. Ouais, tu ouais, le fais sur ton. Tout simplement sur ton Streamlabs ou. Ouais, ouais, ouais. Mais là, en fait, si tu veux, je joue beaucoup avec les angles de l'écran, tu sais. Comme ça, c'est. Non, Brass, non. Non, pas ça, Brass, non. J'adore Flibu, hein. Mais non. Non, c'est juste que là, moi j'ai mon écran parce que du coup j'ai ce truc. Mais là, il faut que je floute. J'ai des putains de notifications qui sont affichées sur une vidéo et il faut que je le floute. Que, ben, comme vous avez vu, il y a des problèmes. Hein. Si lui arrive, je suis obligé de me muter en permanence. Je suis en train de se régler. Discord, arrêtez de muter. Donc en attendant, je fais des invoques, t'as des DS. Non. Donc comment faire sur Vegas une partie, par exemple. Ouais, je me doute, Abyss. Donc je sais pas, j'ai dit ça, mais bon. Votre tête sur une photo, une connerie, quoi. Non, je pense que on va sauvegarder les DS gagnés gratuitement. Si quelqu'un veut voir des invos sur ce compte, eh bien, c'est go 36 euros. Il attend les 4 ans pour gagner. C'est go, ouais, ou alors soit il attend les 4 ans, soit c'est go 36 euros. On prend un pack, on fait une multi pour lui faire plaisir, mais c'est lui qui l'a payé. Mais en tout cas, il n'y aura pas de gaspillage de DS gratuite. Ouais, ça va changer toutes les semaines. Ouais, va y avoir des nouvelles règles à chaque fois. Ouais, ça va être chiant. Mais je vous emmerde. Ouais, il a ses règles toutes les semaines. Et alors je vais passer tout de suite. Ouais, je vais prendre un clip. Bon, fais vite, toi. Montre-moi comment on floute une partie de vidéo. Invoque sur le portail catégorie. Non.
Non, pas le country. Sur le portail voyageur du temps là, 30DS. Non, j'ai même pas 30DS, donc, j'en ai que 23. Oh là 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 là. Votre alors votre clip. Vous allez le coller en, vous allez le placer en bas. Vous allez le placer en bas. Vous pouvez d'ailleurs supprimer la bande son, qu'elle soit pas en deux fois. Vous allez dans propriété, vous allez faire votre clip, dépend de votre écran. Donc quand vous avez fait ça, vous avez enlevé la bande, etc. Vous avez positionné vos clips. Alors vous allez dans le paramètre de recadrage enfin, d'événement. Aujourd'hui j'ai enfin fini mon Goku MF. Vous allez cliquer sur GS, masque. GG ça l'ordre. Vous allez sélectionner l'outil ça. Celtec, excellent. Très très bien. Goku SSJ 3 puis est pas ouf. En comparaison, tu préfères le AJ. Mais comme les deux ont leur ZTUR, du coup ça rattrape. Le AJ est énorme une fois ZTUR. Le Puy est pas mal une fois ZTUR, mais il est quand même nettement moins bien que le. Il vaut pas le AJ. Mais c'est déjà pas mal. Je sais plus, Dylan. Je t'avoue que j'ai pas farmé le freezer. Je suis un peu une feignasse pour ces trucs là. Merci Amras. Vite, le portail joli plein de filles. Joie pleine de filles. Non, il est plus là. Ils l'ont viré. Si, il y a encore, je crois. Ah, il y a encore. Ouais. Ah oui, non, c'est le divin qu'ils ont viré. Autant pour c'est moi. Le divin. Ouais. Merci Bien Inconnu pour le follow. J'attends que ton pseudo s'affiche et je te remercie. Merci Amras. Ouais. Merci beaucoup Amras pour le follow. Oui, masque, putain, c'est ça que je cherchais. Je vais te dire belle inconnue à chaque fois, pourquoi t'attends pas que ça s'affiche? Je sais pas, parce que j'ai le son dans mes oreilles avant. putain, mais c'est où masque? Ta mère! Je me suis chié sur les vannes de Freezer, j'ai fait le niveau 3 en super, il me reste 8900 pour monter en XP, fais chier. Bah sinon, tu utilises des clés sur un event d'Okan ou une connerie comme ça où t'en as encore et ça va te faire monter ton level. Celtec catégorie voyageur du temps avec Goku Black, c'est un film de cul, ouais c'est ça. Et le Rose et puis ouais il te ferait du bien pour ça ouais. On va faire comme ça. Et puis on va faire comme ça. Ça ne baissera plus la gueule sans foirer. Boitard. Tous les niveaux en Z-Hard du mode événement donnent 9900 d'XP. Ça a besoin, j'ai appris par cœur l'XP que donne les niveaux. T'es un grand malade. Je peux rien, je retiens. Bah retiens pas, on voit la sauce. Et non, mais je peux pas. Moi, dès que je vois des chiffres, faut que je compte. Je vois de l'XP qui apparaît, faut que je compte combien d'XP ça donne. Et, ouais, et au bout d'un moment, quand je vois que les mêmes types de quêtes donnent le même nombre d'XP à chaque fois, bah le faire une fois, deux fois, dix fois, cent fois, bah au bout d'un moment, je connais l'XP que donnent toutes les quêtes. Ouais, je fais pareil. Cheers, c'est vrai pour invoque. Merci, Amras. Gret Sayaman ou Goku Thales? Oh putain! Oh j'avais oublié. Je vois tellement peu ma truc de donation. J'avais oublié. S'ils font ça toutes les 3 secondes, ce soir je chantais monnaie, monnaie, monnaie partout. J'attends que tu précises Sercoq pour le Goku Thales. Que Goku Thales. Je crois pas qu'il existe. Merci beaucoup Amras, merci à dans toi. Dans Hero de film, le Great Saiyaman LR de toute façon est dans les 6 cartes à avoir obligatoirement. Ah oui, je vois, oui. Non, c'est bon, j'ai compris duquel tu parles, Sercoq. Sans hésiter, le Saiyaman. Sans hésiter, le Saiyaman. Merci Amras. T'as mis une limite à 5? Non, je crois pas. Non. Confirmant Amras, mais normalement tu peux, j'espère pas. Il me semblait que j'avais configuré à 0. Quoi que je crois que tout à l'heure il a mis une. Et je sais pas. Ou alors j'ai la. Putain, attends, laisse-moi les vérifier parce que tu me fais douter là. Mais normalement non, j'ai mis à 1. Ah putain, non, si, je sais ce que j'ai fait. Je sais.
Je crois savoir. Ça, ça dégage. Il me semble que je l'ai mis. Attends. Ouais, voilà. C'est quoi ta team? Sert quoi copier si, mets-le sur Discord. Ah oui, non, c'était. Ta team sur Discord. Hop, voilà. Si, c'est bon. Comme tal. Ah, c'est propre ce que t'as eu sur la Jap, Serpoc. Non, c'est bon. J'avais... Non, en fait, oui, il est. Et, j'ai inversé les trucs. Si, c'est bon, c'est à 1. J'ai fait une petite bêtise. Fait une petite. Petite bêtise. Là, c'est bon, c'est redescendu. Pourquoi. Non. Pourquoi je veux déjà acheter des objets, la Bitrude. Bref. Ya, c'est ultra vomite. Yo Nenex. Pourquoi le Vegeta God Puy fait pas de gros dégâts? Alors, c'est pas qu'il fait pas de gros dégâts, il tape à 1,5 million, 2 millions quand il y a pas de réduction de dégâts. Sauf que là, il y a de la réduction de dégâts sur le sur ce, cet event là. Non, le Vegeta God il est énorme. Hein. Un Spedis il tank de ouf. Il tape de ouf, enfin bon, enfin il tape de ouf, il tape bien. Comme ma bite. Vroom, vroom. On l'appelle le marteau piqueur dans le bas monde. Aïe aïe aïe. Qui a dit ça? Allô? Allô? Hein? Ouga. La... Alors, voyons voir cette team. Après, au niveau des links, ton Saiyaman LR, c'est peut-être pas le meilleur, c'est pas lui qui va te donner, il va peut-être pas prendre du ki et tout ça. Mais il est pas là pour taper, il tank. Il tank et il buff. Faut juste qu'il parte en spé quoi. Ouh, une DS. Ah. Ouais, il link pas avec tout le Vegeta God, Yue, mais mais il s'autosuffit quasiment, enfin, je veux dire, il est toujours, il lui manque toujours, tu vois, 3 de ki, c'est pas grand chose. Merci, Amras. En fait, je me rends compte qu'avec le Streamlabs, on peut pas faire un karaoké, je peux pas faire un Twitch Sings. Pourquoi? Parce que dès que ça part en majuscule, ça banne instant. Du coup, les gens pourraient pas chanter. Ah! Tu l'enlèves ça? Du coup, non, non. Non, c'est pas possible, on peut pas. On peut pas. Ah ouais? Ok. Ouais, voilà, en plus, avec son passif, il part en spé tout le temps. Donc, c'est pas grave, les links. Par contre, tu vas voir, hein, quand il va tanker, quand tu vas le faire tanker, tu vas comprendre pourquoi je te l'ai fait mettre dans la team. Il est très bien le. Enfin, il est très bien. Il est bien le Black Goku un T. C'est un lead catégorie, donc c'est toujours bien d'avoir un lead KT. Après, clairement, il y a eu mieux en termes de lead KT, mais ça le fait. On aime les lead catégories. Oh, on part sur un petit évier métal. Légende du Saint-Évier. Putain, c'est impressionnant. On s'en branle du black, les gens, c'est pas grave. Y'a pas besoin d'avoir le black sur la glow, c'est pas obligatoire. Si vous... la carte à avoir, si vous ne l'avez pas sur le portail actuel, c'est plus le rosé que le black. Clairement. Donc, vous arrêtez pas sur le black à dire ouais j'ai pas encore eu le black, c'est pas grave, je lâche toutes mes DS, je vais acheter 12 packs à 36 balles. Non non, c'est pas, ah non, pas l'avoir. Le black en plus le black, pour vous donner une idée à partir des 4 ans de ce qu'il va y avoir, pour ceux qui connaissent pas, il y aura les 4 ans, en tout cas sur la Jap c'était comme ça. Il y a le trio GT, il y a le portail du
calé Caulifla, et juste après, à cheval dessus, il y a le portail actuel d'ailleurs qui est en ce moment, le Zama Trunk. Et sur le portail du Zama, vous pouvez avoir le Black Int. Donc ça sert à rien d'aller claquer toutes vos DS là-dessus. Gardez. Claquez un peu si vous avez envie, 150 DS, histoire de satisfaire votre envie d'invoquer et tout ça. Et puis voilà quoi. Merci Amras. Non, pour être honnête, et pour ajouter à ce que disait Mardi, le Black c'est une nouvelle carte, mais elle est pas foufou. Elle a une très très belle spé, c'est pas une mauvaise carte, mais elle est pas non plus foufoufou. Si vous voulez aller chercher le Black, effectivement, allez le chercher plus sur le Zamasu multiforme que sur ce portail là, parce que sur ce portail là, vraiment la vedette, c'est le rosé. C'est le rosé qu'on voit très très peu souvent sur les portails et qui sera beaucoup plus utile dans vos teams que le Black Int. Sur la glow, je pense même que le Black End sera plus utilisé ou est plus intéressant que le Black Int. Parce qu'en cogneur, enfin honnêtement, si vous voulez partir sur des cogneurs dans la catégorie voyageur du temps, vous en avez énormément. Alors que des supports, vous en avez pas beaucoup. Et le Black End. Je fais pas un mélange de intelligence et endu, est un excellent support contrairement au Black Int. Après, ce n'est que mon point de vue. Je l'ai eu parce que je suis un invocateur compulsif, mais pour le coup, limite, je pense que mon Black End, je vais peut-être l'utiliser même plus quoi. D'ailleurs, je fais payer mes services de commentateur sportif pendant l'invocation. C'est mes yeux. Salut Aziz. Et c'est ça Manji. Cette juillet les 4 ans hein. Je vous ai mis la macro Tu peux m'offrir un compte. Hélas non, parce que je n'en ai pas. Voilà. Allez, je fais pas le crevard là. Vas-y wesh, ton compte là, rang 700 avec tous les LR Rainbow, go me donner. Non, j'ai pas de compte, j'ai un seul compte, c'est le mien. Et j'ai un deuxième compte que j'ai créé cette nuit, c'est celui-ci. Et celui-ci sera à gagner plus tard. Mais pour le moment, je n'ai absolument rien à te donner mon ami, je suis désolé. Merci Amras. Donc le média correspond à votre recherche sur le putain connard. Putain mais comment on fait un flou, je me souviens plus comment on fait un putain de flou. Je me souviens de rien, putain. Moi qui voulais reprendre les montages, je fais chier sa mère la pute. Ah ouais. Ouais. D'accord. Bon bah sa mère la pute alors. Hein. Putain, non mais ça m'énerve, Sony Vega j'avais passé. Ouais, je pensais faire ça Abyss. J'ai un compte à donner sur Dora l'exploratrice online. Si tu veux Abyss. A priori t'as l'air d'aimer ce genre de genre de choses. Vu que tu connaissais hier on a fait un petit blind test, Abyss, tout ce qu'il trouvait c'était les trucs genre Dora, Martin Mystère, enfin les trucs de Babtou 2000 quoi. Ah non putain c'est vrai, moi j'ai un compte Pornhub Premium aussi à donner si vous voulez. Ah bah attends tu me le gardes. C'est pour faire mes invocations je m'en sers. c'est pour appeler la chance. Puis de toute façon, Abyss, nous on donne pas des comptes normal. À un mec qui classe vous des DS. Vous allez positionner par exemple, moi je vais foutre le chat, je vais me positionner comme ça, mais si vous voulez foutre, je sais pas, la tête du mec, vous allez vous mettre comme ça, comme vous allez zoomer sur l'endroit où vous voulez foutre à peu près. Ensuite, vous allez cliquer sur outils de création d'encre et vous allez entourer la zone comme ça, comme vous allez faire une sorte de carré.
Alors, ouais, j'avais cru comprendre ça, ouais, Manji. Et je crois que c'est pour ça que Boula est pas là. À mon avis, il est parti voir l'avant-première au ciné. Allez vous faire voir. J'espère qu'on sera dans le même local. Je te le souhaite pas, Abyss, parce que t'avais pas prévu de claquer beaucoup de DS pour le TB. Du coup, si tu te retrouves avec nous dans le local, va falloir que tu joues. Donc, c'est à toi de choisir. Après, si t'as envie de jouer ou pas, hein. Si tu veux jouer, va jouer. On va jouer, bonhomme. Moi, par contre, dit, on va jouer. On joue pas dans la même cour, je pense. Que lui, non. Il a déjà fait un top 1, lui. Abyss. Petit joueur. Oui. Petit joueur. Là. Ouais. Oh, c'est tout, t'en as fait qu'un. Franchement, t'en as fait qu'un. Mais c'est nul, c'est nul, c'est nul. T'aurais pu en faire plusieurs, quoi. 2, 3. T'abuses, après, Abyss. Moi, ça dit qu'il avait triché. En plus, en plus. Putain, mais. Ouais. Mais quel. Ah, oh, mais vraiment, quel. Ah, oh, j'ai pas de mots. Voilà, putain, les Tipeee mode, ils finissent premier local, et nanani, après c'est la vente, ils font gros kiki, alors que non. Ça m'agace. Golden Freezer, free to play 1 million sur Bardock 3, d'accord, qui brise sa barrière, mais ça reste un support. Baba était content. Je suis proche des 2000. Merci, Amas. 96, c'est pas 2000, Dylan. C'est-à-dire qu'avant le Baba Shop refresh, ouais, c'est clair, à 24 heures là, pour le refresh, t'es abusé. C'était. Là maintenant, une demi-heure, c'est même trop court. Parce que putain, ouais. Ça paraît une vitesse. Je joue à un jeu vidéo, donc je vais jouer. Et c'est lequel de jeu vidéo? Vas-y, balance ton port. Oh. Oh. Ok, bif. Pussy Slayer versus les nanas de l'espace. Oh oui, j'aime bien ça. Merci, Abras. Tetris, non mais tu rigoles, j'ai failli. Moi j'étais à deux doigts de craquer pour le Tetris Online. Hein. Pour me prendre un abo sur le live. Mais le problème c'est que vous m'auriez pas vu pendant 6 mois. Ah, le Tetris, merde, comment ça s'appelle? Online. Enfin, 99. Ouais, voilà, le Battle Royale, putain, cherchez le mot. Ouais. Oh, j'ai jamais. Bien j'ai sûr, beau. J'aurais beaucoup aimé, mais j'ai jamais été bon à ce truc. Ouais, tant pis, on va prendre ça. Ah putain, mais je me souviens plus comment on fait. Moi, et ça triste, me souvient. C'est mon enfance. Et clairement, pour moi, ça reste un des meilleurs jeux qui a été jamais fait parce que c'est tellement con de base, tellement basique, non, tellement roxant que voilà. En plus, un mode battle royale, je me serais pris des branlés hein, parce que j'ai rien à génie sur Tetris, mais je m'en fous, ça m'aurait éclaté d'y jouer un peu. T'aurais été à côté de moi, j'aurais pu trouver ça pour ton fou là, mais Non, non, mais je vais trouver, de toute façon, comme j'ai dit, j'aime bien chercher tout seul. Mais le truc, c'est que je savais le faire, mais Mais entre temps, j'ai pas touché. J'ai pas du tout touché. Comment ça s'appelle ? Sony Vega pendant 2 ans, 3 ans. Ah oui. Donc forcément. Moi, je suis sur Premiere After Effects donc. Tu montes une vidéo. Ouais, je suis en train de monter à Abyss la vidéo de mes invos tickets week-end. Parce que pour le coup, j'ai eu des bons trucs. Mais j'ai 3 notifications. J'ai 2 notifications qui. T'as pas remis ta sextape, hein. C'est bon, on serait con de te faire strike ta chaîne pour ça. Non, c'est bon, je l'ai enlevé. Enfin, après, franchement, vu ce que j'ai eu, ça y a tout quand même. Et du coup, ça fait longtemps que j'ai plus à utiliser et je pense qu'en fait, je vais pas me faire chier.
Je vais faire comme ça. Tant pis, je vais, je sais, mais ça va être pas beau, mais je vais faire comme ça. Donc, S. Merci. Tu t'ennuies tellement sur The Count que tu fais du montage en même temps. Non, pas du tout. C'est ça, Lulu. Hop, tant pis, je vais faire ça comme ça, ça sera plus simple. Je veux pas me faire chier. Putain, qu'est-ce qu'elle est bien cette chanson. Putain. Eh bien, pourquoi je peux pas? Ouais, sa mère. Ça c'est la meilleure, mais non, je peux plus. Est-ce que c'est mieux que premier niveau pour farmer? Ah. Oh putain, je vais partir en live. Tu vas partir en live? Ouais. C'est Sail, Wall Nation. Ah! J'adore cette chanson. Il y a une rythmique qui m'éclate. Puis le côté chanteur qui part à moitié en live, c'est à gueuler, j'adore. Ah yes. T'aurais peut-être dû reroll pour avoir un alert sur ticket, histoire de rendre le compte encore plus hypant. Effectivement, mais je sais pas comment on fait... Je sais pas comment on fait les fast reroll. Merci Amras. Alors faut que tu actives une option sur le menu pour router l'application. Et après ouais. T'as un petit programme à télécharger que je peux t'envoyer. Et ouais, là, mais ça du coup, permet de fast reroll. Il aurait fallu que je le fasse hier, non? Bah t'as encore la mission là. Bah non, je les ai validés hier. Non mais la... Oui mais si tu reroll. Oui. Ah mais faut que je recrée encore un compte. Ah bah faut que tu recommences du coup. Oui voilà ouais. Oui non mais attends, attends, qu'on se met d'accord. Vu que là l'invocation je l'ai fait cette nuit, il va me remettre là maintenant en fait. Il faut que... Ou alors enfin je sais pas, je comprends pas. Je suis bête. Tu vas retourner après le tuto en fait. Ah. Même si j'ai continué à jouer. Bah si tu reroll, tu crées un nouveau compte. Oui. Donc voilà. Et putain, pourquoi je peux plus faire ça? Non, non. Même ça, je peux. Mais bon, ça me saoule. Oh, que ça commence à me saouler. Ah, il est un peu casse-couille, ouais. Faire coq. Je sens que ça va finir en blind test en quiz aujourd'hui. Ouais, mais bon, faut plus que je joue avec vous au blind test. Faut que j'organise, faut pas que je joue. Non, c'est pas rigolo. Non, puis le clip de Sail est juste énorme. Ah ouais, il est vraiment très très beau. De nanas qui sont pas mal, qui sont en train de se battre. Avec le truc complètement surjoué, ça m'éclate, moi. Ouais. Tu te méfies sur sa dernière phase, les autres ça va, ça passe. Mais la dernière phase, si tu regardes pas, il peut te surprendre. Je dis ça en connaissance de cause. Hein. Il m'a enlevé la vie tout à l'heure. J'avais la vie et puis il a dit non, en fait, non, tu l'as plus. Voilà. Oh, ça régène un petit peu là. Chouette. Ouais. Ouais. Bon, même sang là, ça passe bien avec ce team UA. Non, parce qu'à chaque fois j'essaye de changer Abyss. Mm-mm.
Et puis le jour où on a fait le tour des blind tests, je vous le fais moi-même. À base de ma playlist. Et là vous êtes pas prêts. Pourquoi y'a personne qui trouve? Vous connaissez pas ce groupe? Ouais, t'en as qui reviennent toujours. C'est pas grave, au pire vous le ferez moi. T'es un peu un bâtard quand même, Amras, non? Voilà, Amras il veut pas que je chante. Et comme c'est mon meilleur donateur de beats, bah du coup j'écoute, donc pas de twitching. Oh putain, mais quel... C'est bien quand ça m'arrange ça. Ouais, j'avoue, parce que pour le coup, croyez-moi, il vaut mieux l'entendre chanter lui que moi, hein. C'est vrai qu'Omega... Merde! Merde! Et pourquoi je peux plus bouger? Oh putain, c'est bon ça aussi. Tu nous fais une démo de chant. Waouh! T'es sûr de toi, mon ami? Parce que là, c'est tes oreilles. Qui vont saigner Abyss. Je pense que t'es vraiment... Pas mal que moi. Je pense que t'es... Hein? Allô? Je pense que t'es... Putain, vous êtes pas prêt vraiment pour que vous vous fasse une démo de chant. Ouais, embrasse. J'avoue. Sûr à 100%. Oh putain. Attends, je mute les deux lives. Ouais, ça, je te Yacon RR, putain. Salut Snow. What? Ben Manga, merci Ben Manga pour le follow, merci beaucoup. Yacon LR, oula, pourquoi j'ai deux personnes qui arrivent en me disant Yacon LR, est-ce que ça serait un raid ou est-ce que c'est juste des gens qui passent par là en mode YOLO, salut. Salut monsieur Kaioken BR, Shuri Dairun, ah oui, tout à fait. Comment monsieur... ça, tu veux pas que je chante, Dylan? Sinon je ne chante pas, je pouette. Je vous ferai un truc du style, qu'est-ce que je sais pas, je vous chanterai peut-être un truc que je connais bien du style Mano, la tribu de Nana ou des trucs comme ça. Parce que c'est quand quoi je... Shuru Derulna, c'est quoi, c'est Cyril Hanouna non, en japonais? J'en ai aucune idée. Shuru Derulna. tu as vu mon message? Ah non, pourquoi tu rigoles pas sur la Jap, t'as presque 100 DS? Parce que m'intéresse pas la Jap. Il y aura pas les 4 ans en juillet sans la Jap. C'est ça. Non, non, là, je c'est même pas un reroll, en fait, que je fais de Kant Gaming. C'est un compte que je vais essayer de jouer, dans la mesure du possible. Chante le générique de Dora l'Exploratrice. Bien sûr, Yacon x3. C'est quoi le délire avec... C'est quoi le délire avec Yacon, la Snow, Ben? Expliquez-moi. Donc, c'est un compte que je vais jouer. Enfin, que je vais jouer avec vous. Et aux 4 ans, on invoquera avec ce compte et je le ferai gagner. Et il sera à gagner, tout simplement. Donc on va pas tergiverser 40 ans sur le système. Voilà. Bah, c'était en août, Abyss. Du coup, ça sera les 5 ans en août sur la Jap. Ou la Reine des Neiges. Putain. Non mais les mecs, laissez-moi chanter. À la limite, si vous voulez vous détruire les oreilles parce que je chante, c'est votre choix. Mais moi, j'ai pitié de vous. Je sais comment je chante. J'ai pitié de vous. Et laissez-moi un truc où je sais à peu près... le rythme et les paroles. La Reine des Neiges, ok, mais en japonais alors. Ou en allemand. En allemand, ça peut être marrant. Voilà, en tout cas, je suis en train de chercher comment faire un putain de... Qu'est-ce que c'est? J'ai pas fini de l'apprendre en allemand. Toilette.
Qu'est-ce qu'il me fait? Ah putain, mais ça me saoule ça. Pollock. Pollock, Pollock, Pollock. Non, là comme ça me dit rien. Après, peut-être que je connais, mais que je connais pas le nom. C'est rare, mais ça arrive. Gang de Yakong, frère. D'accord, ok. Eh bien, bienvenue à vous. Ah oui, ouais, je connais, ouais. Je connais, ouais, mais non. Mais non. Je connais, mais non. C'est un peu moi dans un karaoké, Pollock, Nenex. C'est juste que lui a eu les couilles de mettre ça sur YouTube, tu vois. Tu vois la différence entre Pollock et moi, c'est ça. Et il y a peut-être 15 ans d'écart, je pense que. Au vu de la photo du bonhomme, il doit être un peu plus jeune que moi. Voire beaucoup. Pollock, c'est un mec qui reprend des chansons hurlant, façon saturée. Donc, si moi je me mettais à chanter comme je chante dans un karaoké, là dans mon micro tout de suite maintenant, ça ferait pareil. Non, parce que ça me fait saigner les oreilles. Moi, je crois que c'était. Non, c'était pas en août. C'était en. Octobre, novembre, les 4 ans sur la Jap. Non. Attends, je vais te dire ça. C'est en janvier, je crois. Janvier, ouais. Pardon. Janvier, Nika, ouais. Salut Nika, comment vas-tu? Non, mais vas-y, on a hypé, on veut entendre ta belle voix. Putain, vous êtes sûr, mais les gars. Mais ma voix déjà elle est pas belle. Mon chant c'est pire. Je chante faux. Je ne contrôle pas du tout ma voix. Je suis resté en pleine mutation. En pleine. J'ai mué à 15 ans et ça a jamais changé. C'est-à-dire que ça peut pas muer. C'est-à-dire que je peux partir dans les aigus aussi bien que je peux partir dans les graves sans rien contrôler. Merci beaucoup Amras encore. Mais ouais, non, c'est compliqué. Putain, vous êtes chiant. Manon. Oh, mais on a de quoi invoquer là-dessus. Est-ce qu'on a besoin d'invoquer? C'est la question qu'on se pose là. Là maintenant tout de suite. Est-ce qu'on a besoin d'invoquer sur ce compte? Non. Pas du tout. Non mais sur. Enfin tu connais pas le compte là. Tu le vois pas toi. On a eu le rosé sur ce compte là. Merci beaucoup Amras. Et pourquoi j'ai plus de YouTube? Pourquoi j'ai plus YouTube là qui marche? Alors, hop, menu, historique des invocations. Alors, il y a eu une multi, deux. Ah, c'est deux multi. Merci beaucoup, Amras. Allez, on peut s'en autoriser une troisième, pour le fun. Vous voulez voir une invoque, les gens? Une vraie, hein. Ah oui, non, mais putain, ouais, j'ai tout mon internet. Ami, hein. Ah, je m'en branle, hein. C'est un contre rôle que je jouerai jamais, c'est juste pour invoquer, hein. Donc. Allez, on va vous mettre ça. Ouais, mais c'est ça, moi, je connais Nanex. Et oui, donc c'est ce que je dis, une quinzaine d'années d'écart, quoi. Ah, je vais vendre du rêve sur Country Roll, là. Vous n'êtes pas prêts, les gars. Alors, hop. Et non, pas celui-là. Ta maman, toi. C'est celui-là. Qui c'est qui me parlait d'un compte reroll qui s'appelait Mardi 2 l'autre jour? Vous avez vu le nom du compte? C'était hier. C'était hier quand je disais. Voilà, Mardi 2. Chante pendant qu'il invoque histoire de lui porter malheur. Mais ouais, mais j'ai plus de. J'adorais, mais j'ai plus de connexion internet. Mon YouTube a décidé du coup de ne pas se lancer. Donc, Windows Capture, voilà. Le Mardi 2.
Donc je suis en train Hop. de gérer ça. Voilà, je vous mets le nom du compte comme ça, vous voyez bien. Nickaer, on s'est éclaté chez Mardi en top chien. C'est pas faux. Allez, c'est parti! J'ai un détecteur, il chante. Putain, il y a Vegeta en plus. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Suspense, système suspense. Oh, oh putain, je vois. Je vois que dalle. Bah, maintenant tu vois. Mais non, je vois rien. Allez, allez. Première carte black, c'est bon. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il veut quoi? Hein? Qu'est-ce que tu vas faire? Tiens, hé. Il y a trois quarts du temps, je te vois en stream. Soit staff, je suis pas chez moi. Bon, mais j'ai à toi, mon petit mardi. Mais non, mais j'ai plus assez de connexion internet pour que. C'est, on a dit contre-roll, hein, c'est la loi du contre-roll. C'est. Voilà. J'ai plus d'image chez toi, j'ai plus de multi-twitch, j'ai que dalle en fait. Tout a décidé voilà. De. C'est quoi ça? Allez, d'accord, Bardock. Par contre, la dernière. Bon, bah voilà. Voilà, voilà. El Conto est tapé ta dos. C'est tout pour le moment. Je me demande si. Oh là là. Oh là, voyageur du temps qu'on a là-dessus, là. Attends, voyageur du temps. On a le rosé, enfin le black LR, le rosé puits, le black int, le Celtec ZTUR, le Trunk et Vegeta ZTUR, le Zamarin T. Il y a moyen de faire un truc un peu salace. On peut faire un peu du sale dessus. Abattard le son. Et après tu veux que je mette du. Non mais enfin voilà, moi je vous ai prévenu les gars. Hein. Je vous ai dit moi faut pas que je chante, faut pas que machin. Mais je t'ai dit hein. Contre rôle chez moi c'est. Bien sûr, ça sature, c'est fait exprès. Yo! Là, c'était la saturation de l'extrême. Alors. Toi, tu fais ça. Ça. Ah non, non, moi je chante pas, c'est Teldan qui chante. Eh non, moi je me souviens plus. J'ai disparu. Moi je peux pouetter éventuellement. Mais Tu peux pouetter, mais pouette. Ouais, pouette. Bon, sa mère la flûte. Après, avec la cam, Mardi chante et toi tu nous fais le clip, un truc genre Nicki Minaj. Non, je crois que c'est comme ça que ça s'écrit. Voilà. Pourquoi un message doit être vérifié par les modos? Parce qu'il y a marqué alors. Mardi dedans. Ouais, ça doit être ça. Voilà. Même pas trop chez. Ouais, chez moi, je sais, mais demandez pas pourquoi. Ça passe pas. Comment ça, j'ai pas gagné mon niveau, j'ai plus assez d'ACT, sans mère, je vais partir les 4. En fait, c'est pas Mardi, c'est Mard qui veut pas. Ah ouais? Ah oui, Mard. Ouais. Ouais. Ou avoir du remix de Friday, mais avec Mardi. Et arrêtez.
Donc, ce truc que je sais faire, moi, c'est du Pollax. Bon, c'est bon pour ce compte-là. Voilà. On va passer sur le compte Babtou. El famoso Babtou. Merci Amras. Tout à l'heure j'étais obligé d'écrire mardi pour que ça passe. Merci Amras pour le follow. Non, c'est les beats. Pour les beats, putain. Désolé, je suis tellement concentré sur mon putain de flou que ça commence à me péter les couilles. Bon, on va laisser ça comme ça, c'est très bien, c'est très simple, on va pas se faire chier. Tac. Merci Gearzix pour le follow, merci à toi. C'est un follow. Quelle bande de salauds. J'ai perdu mon truc. Ah non, c'est là. Là. Ah putain, mais c'est une blague. Pouet, 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 pouet. Alors, ça. Oui, pourquoi ça marche plus? Je me disais bien que c'était la chanson de Jaina, ça. Nice soujou, Dylan. Bon. Alors, il y a une fois ça marche très bien, et il y a une fois ça marche plus. Oula, pleine mission, dis donc. Oula là. 2DS, youpi. Plein de trucs, youpi. Yatta. Ok, à tout abyss. Ça a très bien marché une fois, ça marche pas de ouf, ça me saoule. Ça me pète les couilles. Oh, tu rages. Eh oui, tu rages. Ah. Et peut-être parce que je suis... Tu rages genre fâché tout rouge ou... Non, je rage style dent serrée. Ah, en tant que c'est pas cul serré, ça va. Hein. Non, ça va. Mais alors, du coup... Alors, ça a très bien marché une fois, et là, je vais vraiment me faire foutre. Eh, 30DS, on ferait pas une invo? Ah,
celui qui fera le plus de dégâts, je pense, c'est le SSJ4 Full Power. Par contre, le Gogeta va mieux tanker. Ah, Gogeta SSJ4, ah bah non, le Full Power sans hésiter. Hein. Il ne veut pas dire que le Gogeta n'est pas une bonne carte. Attention. Achoum. Putain. Souhait. Merci. De rien. Vous avez échappé à une explosion de vos tympans là. Je tiens juste à vous le dire. Non, non, mais c'est pour ça, je pensais que tu parlais du SSJ Blue, moi, au début. J'ai rectifié le tir. J'ai rectifié le tir. Ah, putain, encore. Yo. Wait. Très bien. Sans Mary Poppet, j'y suis arrivé. Massage et un map. Oh putain, c'est une blague. Oui, mais non, mais. Super Végétin, t'es lequel, Nenex? Putain, c'est une grosse blague. Bonjour, giveaway des 4 angles global, mais y'a pas les 4 ans. Mais non! Mais ça sera un giveaway pour les 4-1 Shadow. Pour le coup, le compte, on le monte. C'est ce compte-là. Là, celui-là, là, voilà. On le monte et on le donnera aux 4-1. C'est un petit putaclic quand même, je tiens à te le dire. Ouais, je sais. Mais tout le monde sait que je suis une pute. Ouais. Après, je clique, mais bon... Je fais du mieux que je peux, quoi. Ouais. Sans Merli Poppet, pourquoi ça a disparu? Ah oui, oui, il est bien, il est très bien ce perso. C'est celui qui a le lead inté, c'est ça, Nenex, hein? C'est le 20, donc c'est lui qu'il faut que je mette. Là, oui. Pourquoi il veut pas? Ta mère, mais... Une erreur s'est produite au détenu d'un tampon d'annulation. Il est conseillé d'enregistrer votre travail immédiatement sur un nom du fichier à démarrer. Hein. Putain, fais chier. Je croyais qu'on était dans un monde dimensionnel. Que j'étais déjà au 4 ans. Mais ouais, mais après, je suis magicien. Tu savais pas? Je m'appelle, appelez-moi Docteur Strange. Docteur chelou. Bon, sa mère là, bordel, il me reste 30 d'XP. Voilà. Et j'ai plus d'ACT. Voilà. Et c'est quoi ces photos de filles? Ah ah, t'aimerais savoir. Un pervers. Un sale. Qui, moi? Putain, ça, t'as pas de preuves. Cochon. T'as pas de preuves. Voilà. Mais non, mais alors, par contre, on parle pas de mal en mal de Calvin Russell, les gens. Calvin Russell. c'est pas Kevin plutôt? Non, Calvin. Ah, d'accord. Ah, c'est tellement bon ça. Alors, je suis tellement fan de ce genre de voix, moi. T'es juste
Juste deux grattes sèches et une voix bien rauque. Rendre en tant que YouTube. Du Brassens, ouais, c'est différent. Ouais. Merde! Annuler, fichier. Rendre en tant que Ah, YouTube. Never Travel. Oui. Avec Weekend. Pas Inc, c'est Weekend. Et on rend. C'est parti! Bon. Quête. Quéquette. Quête. Alerte Tailgate Violeur enlève les petites adolescentes. Go le signaler. Franchement, Ouais, ils sont majeurs sur la elles photo sont déjà. majeures, ouais, je confirme. Hein. Elles sont même plus que Il y a majeures. plus. Il n'y a pas de poils, mais c'est parce qu'elles sont épilées. Elles sont majeures et toutes consentantes. Hein. J'ai payé pour ça. Non, pardon. On se pose la question. On ne vous dira pas toute la vérité. Bon, putain, par contre, trouver un leader, c'est un peu la galère quand t'es niveau 15. Ah bah tu prends les moi je prends des Godku puits, des trucs comme ça avec un lit tout type à la mort mal neuve. Ouais, mais c'est ce que je fais. Je me démerde avec ça, tant pis. C'est ce que je fais aussi. Ah putain, mais je pourrais pas. Ah si, je peux. Oh si, putain, on peut mettre les deux. C'est cool Deux. ça. On peut mettre la Rebrian End. Oui. Elles ont Et pas le même nom. Super Rebrian. Ok. Mais nickel. C'est Ça pour me ça plaît. d'ailleurs, c'est ça qui pose problème pour monter sa spé avec l'appui. Oui. C'est des actrices, non, je pense pas. C'est juste Shadow des. C'est juste des photos. C'est juste des nanas qui font ça, quoi. En mode yolo, quoi. Y a point de soucis. T'as resté un approximatif 7 minutes. J'ai censé avoir un PC ultra puissant et pour me rendre 4 minutes de vidéo, il me met 2 heures. J'adore. Hop là, c'était pas ça que je voulais faire. C'était ça. Tiens, je t'ai envoyé un truc, je pense que ça pourra t'intéresser sur Discord. Badapouette. Papoulapapoupouette. Ah ok. Badapouette. Voilà. Mieux, je me suis tiré. Blablabla. Avouez que le blablabla, il est quand même mieux quand on le voit. Le jeu de langue est totalement fascinant. Ah bah moi j'étais en train de sortir ma bite hein, quand je t'ai vu le faire. Bon putain, par contre, j'aimerais beaucoup que ma connexion internet se dise c'est bon, t'as la fibre, tu peux peut-être avoir. Non, ben non, j'ai toujours un écran noir, putain. Alors, est-ce qu'on va chercher une DS ou pas? Pas la pouette. Pouette. Faire les mange-merde aller chercher une DS. Il faut. Que une. Faut linker chez Eldan aussi, Dylan, hein. Mais alors, je pense qu'il a essayé de linker, mais moi j'ai les liens désactivés. C'est peut-être pour ça. Ah oui, d'accord, j'avais pas vu. Mais du coup, putain, c'est où? Et ouais, du coup, ça a été même moi, je peux pas le voir, fais chier. Mais là, sur éventuellement Dylan Ah sur non, un attends, drive. moi je peux le mettre chez toi normalement. Voilà. Ah yes, le multi-twitch. Ah ben merci à toi Dylan si c'était ça. Merci beaucoup. Ouais, je le mets Sur les deux, ouais. sur les deux. C'est tellement, comme je disais, c'est tellement régulier que j'en ai fait une petite macro. J'ai juste appuyé sur one button et c'est ok. Oh, je fais un contrôle V, moi. Oui, voilà, ouais.
pourquoi. Par contre, ça me saoule. Tam tam tam. Ouh, j'ai passé un niveau, ni niveau 16, les gens. T'as dit qu'à version poète, c'est tout de suite moins métal. Ah putain. Vous avez bien sûr tous reconnu Master of Poète Poète. Du coup, Master of Poète. Alors, ouais. Allez, on s'énerve, on casse tout. Bah oui. Bah, j'ai failli me prendre une machette par la gueule. Non mais à quel moment elle... D'accord. C'est quoi que t'as pris parce que j'ai refresh le Twitch. Bah ça, qui vient de se casser la gueule gratuitement, à côté de moi. Alors attends, je vois pas là. Parce que... Je sais pas, ça déconne. Ouais j'avoue c'est calme là cet après-midi, Sercoq. Putain. Et je me disais même à moi s'il parle plus, je me suis dit bon allez je vais pas le dire parce que ça va repartir, bah merci à Amras. De quoi? Ah merde. J'ai eu le malheur de dire que c'était calme sur le chat et Amras qui a envoyé un beat c'est en disant mais on est là. On est là, ouais, j'ai vu. Ouais non j'ai ma machette qui est tombée de dessus du placard qui met en mode gratos. Machete. Ah, tu bougeras plus, c'est bon. Ah vas-y, ça remarche. Tu vois la machette? C'est ma copine qui fait des tentatives d'assassinat. Ouais, bah alors ma copine elle est assez loin en ce moment, elle est à Paris donc. Elle est balèze si elle arrive à le faire. Mais bon, ça me choquerait pas que ce soit elle. Merci Amras. Ça y est mignon, lui répétez pas. Prochaine vidéo où elle vient. Est-ce que la Videl là elle fait partie des filles pleines de putes? Oui. C'est vrai? Oui. Ah mais il y a plein de persos gratuits hein, filles pleines de bip. Je vais peut-être faire cette team là du coup. Mais en plus elle est pas mal comme carte. Les bits, bah c'est une monnaie Twitch, donc après oui, ils te redonnent de l'argent. C'est quoi des bits? Bah disons que Amras quand il fait un don de 1 bit, l'équivalent c'est 100 euros. Donc c'est à dire qu'à chaque fois qu'il fait un don de 1 bit, mardi il touche 100 euros, ce qui est plutôt agréable. C'est con. Bah, oui. 100, c'est 200. Ah je me suis à changer, putain merde. Si je vais le faire, on sera deux mardi et moi. À faire quoi? Parce que j'ai zappé du coup. Ouais, j'ai pas compris. Ah, à faire. Balancer. D'accord. Balancer ce que t'as dit à ta meuf. Ah oui. Ah, t'inquiète, la dernière fois qu'elle est passée sur le stream, elle m'entendait donc. Oui, mais non. Oh là là, 1000 balles. 1000 balles. 10 bits. 1000 balles. Ça me rase. Non. Pour donner une idée, si je fais acheter des bits là, ça me propose 100 bits pour 2 euros. Voilà. Donc un bit, ça doit être 2 centimes. C'est à peu près ça, ouais. Alors. Bon, rip, écoute.
Tu sais, tu regardes en haut du chat, des bits, si on a eu quelques-uns, à un moment, 2 centimes plus 2 centimes, ça commence à faire l'argent. Hein, hein, Brass? Je pense que t'as assez déconné avec les bits, tu peux arrêter maintenant. Hein? Arrête de jouer avec ta bite. Ah, et puis. C'est le geste. Tu sais, c'est comme les cadeaux. Je croque. C'est le geste qui compte, pas le prix. Le streetise mardi à 1000 balles, c'est ça. À 1000 balles, Je suis déjà à poil là. Hein. on voit la teub de mardi en live. What? Non, non, non. Pour un don, hein, pas un cumul de dons, pour un don à 1000 balles, Non, non. vous voyez la bite à mardi. Non. Parce qu'il faut, il faut qu'il achète une caméra extra grand angle, parce qu'on veut l'avoir en entier, donc c'est chiant quoi. C'est cher. Est-ce que je te fais de la pub là? Non. Non, tu arrêtes. Ça n'arrivera jamais, ça, les gars. Hein. Même pour 10 000, hein, ça cherchait pas. Hein. Cherchait pas la somme, t'avais pas les moyens là. Par contre, Teldan à 5 000 follow, il a dit qu'il foutait une... qu'il foutait un nu de lui sur son Discord. Hein. Ouais, c'est vrai. 5 000 follow. Hein. Donc, s'il vous plaît, si vous êtes follow chez lui, c'est le moment de défollow. On sait jamais, sur un malentendu, on peut arriver aux 5 000. C'est ça. Non, il faut que vous folio. Faut que vous Folio, folio. ouais. Folio. Sur son Folio. portfolio. Folio de. Voilà. De faut que vous follow, mais à 4990, faut que vous arrêtiez. Et si vous voyez qu'on monte à 95, vous défollow. Ah non, mais ouais, je crée des comptes juste pour te faire chier là. Je stresse. Franchement, je pense que nude seul ou avec son cloque? Non, tout seul, voyons. Je vais pas le l'amener dans cette histoire sombre et humide. De quoi qui est si belle que ça, ma bite, Sarcoque? C'est le cas, oui, elle est magnifique. C'est juste que je pense que j'ai un Allez. petit peu de pudeur quand même. Moi je l'ai perdu à 15 ans, ma pudeur. On parle pas de virginité, hein. Non, non, je sais. Ça, je l'ai perdu plus tôt. un coquin. Ah, Il s'appelait ouais. comment? Jean-Michel. Moniteur de ski du C'est Club ça. On parlait bâton, on en a eu un toute la journée entre les mains, et puis advienne. Le soir, il m'a planté le bâton. C'est ça, voilà. Ce qui devait arriver arriva. Toute la journée, il m'a dit plante le bâton, plante le bâton. Bah, au bout d'un moment, Il est planté. il me l'a montré, quoi. Il me fait tellement des buffs qu'il me spé à 40k en SBR. Nice! Yo Faz, comment ça va? Ah, mais c'est vrai que je suis sur émulateur. Du coup, j'ai la musique du jeu, j'avais oublié ce détail. Oh, c'est bon, les white stripes. Mais je comprends pas pourquoi. Par contre, on voit rien là, il y a écran noir hein, chez toi. Ben ouais, mais parce que je te dis, je sais pas si c'est mon ordi ou s'il y a un truc qui plante, mais putain, ça bug sévère. Capture d'écran, là. Voilà, là normalement, c'est bon, c'est revenu. Je sais pas pourquoi, des fois comme ça, mon ordi il se dit non, je fais grève. D'accord.
Là, ah, c'est mais ma... ouais, non, mais c'est parce que t'es en rendu aussi. Non, ça vient de finir là. Ouais. Ça vient de finir, mais j'ai pas de connexion internet aussi, tu vois. Je peux pas, par exemple, je peux pas regarder ton live, il est noir. Je suis sur ta chaîne et tout, je vois le chat. Mais le truc est noir. Ouais, tu veux pas regarder quoi. Tout ce qui est connecté, tout ce qui est accès internet, j'ai plus rien. C'est normal, Lulu, c'est pas simple à avoir Jetto à l'air. Hein. Et j'avoue qu'avec ton compte, tu dois avoir du mal à faire certains certains trucs. Je sais pas du tout. Je sais pas, mais là le montage est fini. Merde, le montage est fini donc. On va aller, on va balancer la VOD des Invoke Weekend. Oh, j'ai pris cher sa mère! Est-ce le végéto? Faut invoquer, c'est tout. ...56 médailles. Ah oui. Allez, dernière va être le plus dur, hein, de toute façon. C'est vrai que je joue en mode c'est mon compte YOLO, je peux cliquer sur tout ce que je veux, faire du roll face, tout va bien. Et pas vraiment quoi. Bah non. Ah bon. Bah, c'est bon, là. On passe sur un mode vénère. Ah mais faudrait peut-être que j'essaie de récupérer les médailles parce que du coup si je peux si je peux le docker ouais, ça mais va m'aider. Au bout d'un moment ça va se débloquer Sercoq. TKT. C'est pas possible. On va regarder après si on a besoin ou pas. Alors oui bah ça je sais, la vidage j'ai pas fait encore. Okay. Boum 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 boum. Fais vider le web, c'est ce que je suis en train de faire, Shadow. Pan. Ah non, mais la pan, je suis trop jeune pour la faire là. Trop petit. Ouais, c'est ça. J'ai. Je peux le faire, mais bon. Je gagnerai, je vais gagner, wow, quoique je vais gagner masse niveau, tu me diras. Pourquoi je dois remplacer mon Goku SSJ4 à la place de mon Gogeta SSJ4? C'est mieux de le remplacer à la place de mon Vegeto SSJ3. Dans quelle team, Lulu? Ah, parce que ton... Parce que ton Gogeta SSJ4 ne prend pas le lead Saiyan de ton... VGTMF. Elle est revenue là, Amras? Oui voilà avant le TB ouais. Ouais ouais pareil je vais claquer quelques DS pour farmer les items. Il va y avoir bah, toute la durée de l'event je vais passer mon temps à refresh la CT je vais claquer pas mal de DS avant Bonne question Shadow, aucune idée. Ça dépend. Je sais pas. À la base je vais garder les DS pour tout invoquer aux 4 ans et faire le giveaway à ce moment là. Mais il y a le portail de la Golden Week, on verra ce qu'il vaut. Sur mon compte normal, ouais, c'est presque sûr. Sur le compte reroll, je sais pas. À la base, non. Ah, moi, c'est plus les fantômes que je vais aller chercher pour le TB, mais ouais. Ouais, faut que tu le fasses aussi, Dylan. Tu en auras besoin. Thank you.
C'est vendredi, Lulu. Vendredi matin à partir de 8h30. Oui, donc Lulu, je te disais, ton Vegeta MF que t'as en lead, il a un double lead. Il a dans un premier temps le lead Saiyan, donc attaque d'FPV plus 150%, et un lead super, attaque d'FPV plus 100%. Ton Gogeta SJ4 n'est pas un Saiyan, donc il va prendre juste le lead super à 100%. Ah, donc putain. Si tu le remplaces par ton Goku SJ4 ou même le Vegeta SJ3, les deux sont des Saiyans. Donc les deux vont, vont rentrer dedans. Ouais, je sais pas Shadow, on verra encore. Pour être honnête, on verra. Je sais pas. Et il faudrait de toute façon. Enfin, on verra. Faut que je me reprenne exactement comment ça se passe au niveau des tous les persos free to play. Parce que je les ai farmés sur mon compte normal, mais voilà. Relink-moi ta team, Lulu, s'il te plaît. Histoire que je te redise ça plus précisément. Attaque sup pour le Black Rosé. Ce qu'il a normalement passif, c'est qu'il a 50% de chance de crit. Si je me trompe pas. Attends, faudrait que je regarde. Je te confirme ça, Fedo. Juste une seconde, je revérifie le passif. Faut pas dire de conneries. Ah, mais TB pour le moment, t'as pas la team, Lulu. Mais bon. Ça viendra ce jour où tu l'auras. On fait ça. Et alors, le black. Donc, augmente def, fiche dégagement, on s'en fout. Attaque 30% à chaque début de tour, chance de crit plus 5% chaque fois qu'une attaque est encaissée. Max 30%. Et poète poète, est-ce qu'on l'a sa transfo là? Ouais, non. Ah mais non, c'est là, putain connard. Voilà. Sur les invocations week-end, j'ai pas eu qu'un égard. Voilà. Ouais, quand il est transformé, il a 50% de chance de crit. Donc du coup, je sais pas si ça vaut le coup de le monter en crit, ce perso. Vaut mieux le monter en attaque sup. Qu'est-ce que t'en penses, Eldan, pour le black? De quoi, pardon? Le black inté, tu le montes en attaque sup? Pas forcément. Pas forcément? Non, parce que il augmente son attaque tout seul. En passif, il a pas besoin de partir en spé. Ouais, en passif, il augmente aussi son crit dès qu'il encaisse une attaque. Ouais, mais c'est pour ça. Il est à 40, tu peux monter à 100% de critique. Sachant que l'attaque sup, Je sais pas, moi je le montrais en crit, histoire d'être sûr de crit à chaque fois, mais T'as les deux écoles, Fedo. Donc c'est comme tu préfères. Tu peux faire un 11-15. Tu peux facilement faire un 11-15 si tu veux. Le black c'est comme Zamasu, hein, faut le monter au dodge. Au dodge. Toi Shadow, je pense qu'il faut que t'arrêtes la drogue, mon ami. Ouais, il a radis. Enfin, il peut l'avoir radis vu qu'il est farmable en ce moment. Mais il a pas trop la team pour jouer le Broly à l'air. Il vient de commencer, donc c'est un peu compliqué. Oui, mais je sais Shadow, mais étant donné que le Black Int augmente ses chances de critique quand il reçoit un coup, tu le mets pas en dodge. Tu comprends ce que je veux dire? Tu veux qu'il se fasse taper un peu quand même. Le but c'est qu'il prenne des coups pour qu'il arrive à ses 40% de chances de coup critique sup. Donc s'il esquive, il augmentera pas. Ouais, il est pas mal, ouais, Lulu. Tu peux le mettre en mode.
c'est un peu comment le même problème que le gauche et tableau, enfin un peu, quasiment. Disons que si t'arrives au sixième tour à la transformation, il aura quand même encaissé quelques coups, donc il aura déjà pris du crit, et sachant que transformer il a 50% de chance de crit de base, si tu le montes en crit, il va être... Tu le mets... C'est ça, tu le mets en 11-15 à peu près, comme ça tu auras 70% de crit et 30% d'attaque sup. Normalement tu peux, si mes souvenirs sont bons, le mettre en 11-15. Mais pourquoi tu veux mettre de l'esquive Shadow? Je comprends pas le... Je comprends pas. Oui, mais le but, il est... La carte a été... The Gamers. La carte est créée justement pour qu'ils doivent encaisser des dégâts, mais ne rien subir. Il augmente sa def à chaque fois qu'il part en spé. Il augmente son critique à chaque fois qu'il subit une attaque. Je veux dire, si le mec, je le monte en esquive, et que sur mes 4 premiers tours, il m'en esquive 3 sur 4, je vais l'avoir mauvaise, parce que ma carte, elle est inutile. Ouais, c'est comme le LR, le Black LR doit encaisser des attaques pour augmenter ses dégâts. C'est ça, en gros tu... Faut qu'il prenne des coups. Faut qu'il prenne des baffes, mais faut qu'il en prenne quand même. C'est ça, il faut que le truc il se fasse gratter la tête, quoi. Mais vu qu'il augmente... Quand il arrive en transformation, il est déjà il a pris quelques baffes pour avoir son taux de crit qui a augmenté, plus les 50%, ça va devenir un monstre. Et là, il va faire des putains d'attaques de malade. Alors certes, on verra pas souvent la transformation, parce que 6 tours, c'est ultra long à attendre. Et puis, il faut avoir 80% surtout. Bon, non, 80% dans une team voyageur du temps extrême, c'est ultra simple. Hein. Si tu joues avec le Zama 1T, le Zama Black, qui sont des putains de heal, il y a un moment, tu vois, c'est... Oui. Au-dessus, regarde la tête à côté... Oui, gamers, je suis en vocal avec Mardi. Yep. Ouais, Lulu, je vais regarder ça. Je vais juste aller pisser vite fait et puis j'arrive. Je regarde ça après. Lulu, tu m'envoies ça, voyageur du temps et ta team super. Envoie-moi les deux box avec. Comme ça, je regarderai ça. J'arrive. Un Battle Road 80% c'est pas évident. Oui c'est sûr, mais pour le moment le Battle Road on l'a pas, donc... enfin on l'a pas. On n'a pas sa catégorie, donc on va pas se faire chier avec. Dun, dun, dun. Ouais. Bah, je suis pas forcément, voilà, comme je te disais, après je suis pas forcément d'accord avec toi, Shadow, mais tu peux chacun monte ses cartes comme il le souhaite. Hein. Et pour moi la carte, il faut qu'elle prenne des dégâts, quoi. Donc le but étant que c'est pour ça que je lui donnerai pas d'esquive. Ça fait déjà grave chier qu'elle ait ses 5 points d'esquive de base. Mais pour ma part, je le laisserai en attaque subcrite. Putain, j'ai pas assez de Zenimone. Très bien. Heureux. Oh bah sans Broly LR, ça se fait très bien le TB. C'est le premier TB que je vais faire avec le Broly. Hein. Avant, je jouais sans. Avec le sel LR et le Raditz, j'ai passé les 200 millions de points. Et le dernier, bon, j'ai fait juste le premier jour, j'avais fait 80 millions de points. Donc... Et le sel LR est vu que t'as le Broly DBS, c'est équivalent au sel LR, donc ça passe bien. Ah oui, quand t'auras un meilleur lead
vu que toi tu pars en lead boss film, moi avec le CLLR j'avais un lead extrême, le lead extrême du Black du Rose AJ pardon. Ouais Rose AJ qui est 50% de d'attaque PV dégâts sur les extrêmes. Donc tu vas être bien hein. Ouais. Je joue tank qui peut passer offensif comme un chevalier avec son bouclier. Tu peux. Après moi comme je t'ai dit je le jouerai pas en esquive. Mais tu effectivement si tu veux jouer en esquive tu peux ouais. Ok Denex. C'est le niveau 3 qu'il faut que je fasse, ok. Ah oui, c'est vrai, t'as changé ta team, toi. Oui, mais même, un lead 120%, c'est toujours mieux qu'un lead... qu'un lead 50%. Alors voyons ça. Ça c'est la lead team. Eh ben tu l'as déjà le Vegeta SSJ3 puis dans ta team Lulu. Pourquoi tu veux le remplacer? Ah non là clairement dans ta team super c'est le Gogeta qui saute hein. Le Gogeta il saute et tu fous le Goku SSJ4 à la place. Hein. Il n'y a même pas, y a pas photo, il n'y a pas de discussion. C'est le seul avec le Jiren qui est pas en Saiyan. Donc bah, je suis désolé, mais à choisir entre un Gogeta 16J4 et un Jiren. Pouf pouf, ça sera toi, c'est Gogeta. Hein. Zamasu, fusion, AJ. Honnêtement, il faut que jouer un divin extrême. Mais tu parles du SR Dokkan ? Shadow ? Attends, je suis plus du tout là ce que t'essayes de communiquer avec moi. Du nouveau Zamasu de la Golden Week. Ah mais je sais pas moi. On parle pas de lui hein. Enfin on parlait pas de lui à la base, on parlait du Black Int. Mais j'ai pas du tout look le Trunks et le Zamasu qui sont sortis sur la truc. Je cherche le mot, j'ai du mal. Sur la Jap, pardon. Ça, je t'ai renvoyé ton truc Le Fatbou il est pas mal, fait le taf. Hein, il fait pas mal de dégâts. Enfin, ça va équivaloir au Radis de Synthé, je dirais. Et l'avantage c'est que bah, très bon support. Non, t'inquiète, j'ai lu Dylan. J'ai pas répondu, mais j'ai vu. Bah, t'as pas besoin de plus de deux doublons, Amras. Je vais regarder ça, Shadow. Catégorie. Vegeta SSJ3 puis c'est pas le même que celui que t'as dans ta team déjà. T'en as un SSR. Si c'est le même, mets lui son doublon. Hein. Alors. Voyageur du temps, ok.
Ah mais oui, mais ça je suis d'accord. Oui, pour le coup la Shadow, oui, je suis d'accord avec toi que le AJ tu le joues dans un divin extrême, mais c'est son leader. Donc il faut. Celle tech à la place du celle AJ Lulu. Il y a même pas photo. Là il y a no match entre les deux. Et sinon c'est cohérent. Sombar. Et toi Sercoq. Ah, c'est un peu compliqué là pour le moment sur la Jap, t'as rien. Hier t'as 5 cartes. Tu prends carte des. Le problème c'est que le Black il va avoir un lead tech, le Bardock il a un lead endu. Faut regarder le lead de la Chichi et enfin la Chichi et la Videl. La Videl je peux te dire je l'ai, je regarde ça tout de suite. Est-ce que j'ai, oui je l'ai là. T'en as une qui a lead un T et puis. Et puis l'autre, c'est une endu, hein, ouais, c'est ça. Je suis pas sur ce compte-là. Je regarde ça, je te dis ça, mais à mon avis, tu vas te retrouver à prendre une des deux nanas en lead pour la simple et bonne raison que c'est le seul lead qui pourra toucher le plus de cartes possible dans ce que t'as. Son début, tu t'en fous, hein. Ah c'est le GT, ouais mais le GT tu t'en fous là. Le rosé, ouais, il serait bien dans ta team voyageur du temps. On pourrait le faire rentrer à la place du Vegeta 1T. Sinon, tu joues, mais tu gardes que sa forme pas déformée à Zamasu Aji. Quoi, ça? Attends. C'est quoi son truc de transformation? On peut être activé à partir de la seconde charge du personnage une seule fois. On a regardé avec Boula déjà Brass hein, pour sa team. Malheureusement il a pas la box pour faire mieux que ça. Ou alors on a passé on est aveugle tous les deux, on est passé à côté d'un truc essentiel et bon, que moi je l'ai pas vu, ça peut arriver. Par contre, qu'on soit deux à pas l'avoir vu, ça me surprendrait déjà un petit peu plus. Putain, j'ai déjà plus. Oh la galère! Oh la galère! Ça me saoule. Ouais, le Golden Enduit là. Mais le Golden Enduit il peut pas le faire rentrer, il a le rosé puits en lead. Sinon il vire son Chaco quoi. Ça c'est le problème là, la compo c'est et surtout par rapport au lead du Broly. Tu peux pas. Ah, c'est comme un active skill, t'as le choix de transformer. D'accord, ok. Tu peux, mais bon. Euh...
Ouais, tu peux. Après, ouais, tu peux, t'as le choix. C'est toi qui vois en fonction de ta. C'est toi qui vois en fonction de, du combat et de ce que t'as besoin, quoi. Si t'as besoin de tankiness ou pas, quoi. Ah, je suis un con. Ok, bon, mais heureux. Pour moi, c'est la petite pause, à de suite. Yeps, tout de suite. Donc on a dit la chichi en dû voir ce qu'elle avait là. Est-ce que je l'ai là-dessus? Eh ben non. On fera trouver son lead. Je l'ai pas là. Oui, c'est vrai que j'ai pas encore farm celui-là. Hop. Oh, plus tard. Souple, n'est-ce pas? Ah oui, en lit d'amis. Bah, conseil, t'encombre pas d'amis avant le TB, hein. Dans cette team, personne, Lulu. Végéto, tu le fais pas rentrer dans ta team là comme ça. Il prendra que le lead super, donc ça boîte une bonne carte. Pas très très utile dans ce team là. Puis là, t'as une team qui est ultra pété, hein, mine de rien. Éventuellement, tu le mets à la place du Jiren. Ouais, Jiren, ouais, tu peux le faire rentrer à sa place. Le temps d'avoir un Saiyan pur qui tienne la route.
gueule là avec ses 2 PV lui. Il est sérieux ou il est sérieux? Tiens, ça comme ça. Perdre une vie, mais bon. Ah oui, je leur dis, vous allez avoir le deuxième émote de sub qui va arriver dans les heures, jours à venir. Je peux pas vous donner de date, je sais absolument pas malheureusement. Mais voilà, vous aurez ça prochainement. J'en ai fait la demande, j'attends la validation de l'émote. Je vous ai mis en deuxième, vous aurez le petit Gohan qui est normalement celui du pack niveau 2. C'est pas grave, je changerai les mots du tier 2. Comme ça. Voilà. Et bah du coup j'attends. Là ça dépend plus de moi. Moi hier j'ai coupé le stream, je m'en suis occupé direct. Donc c'est pour ça que d'ailleurs le truc putaclic hashtag je demande je l'ai viré parce qu'il n'y avait pas besoin réellement de 15. Fallait 15 abonnements sur la durée de 30 jours. Mais comme ça change tous les jours. Là aujourd'hui je suis à 15, si demain il y a un abonnement qui s'arrête, je vais redescendre à 14. Mais dès le moment où on est monté à 15 sur une durée de 30 jours, c'est bon. Comme je suis pas un enculé et que c'était réellement pour ça que je faisais ça, il faut plus l'intérêt de vous demander des subs. Merci d'ailleurs à ceux qui ont participé, grâce à vous que c'est possible. Quand même, faut le dire. Merci pour les subs du coup, hein, parce que pour que vous ayez un émote supplémentaire que je l'ai fait, je vous ai demandé de le faire plutôt. Donc voilà. Bon. Donc on va pouvoir flood tout plein d'émotes. Après le prochain palier pour avoir 3 émotes, c'est 25 subs. Je pense que pour le moment ça va être compliqué à atteindre, donc je m'en occuperai bien plus tard. On se contentera de 2 pour le moment hein, les gens, c'est déjà pas mal je pense. Oui, voilà, c'est ça, c'est pas, ça presse pas. C'est juste que, en fait, j'avais vu que on n'était pas si loin que ça des 15. Donc je me disais, ça peut être pas mal de faire ça, parce qu'on était à 13, 13 ou 14, on était monté. Bon, ça redescend, ça remonte régulièrement, ça en fonction de la période du mois on va dire. Je m'étais dit bon allez why not, sachant que Easy m'en avait parlé en vocal la dernière fois et puis mon pote Winfall m'en a parlé, m'a dit tu devrais essayer de, donc j'ai dit allez pourquoi pas. Quand je me rapprocherai des 25, si un jour ça arrive, là éventuellement je referai le truc pour vous ayez le troisième émote, mais là procède par étapes hein. Chose en son temps. On part du principe que déjà à moins de 2 mois de stream, avoir autant de followers, de personnes régulières sur le stream et de monde comme ça, et en plus quelques subs, c'est déjà très très bien.
qu'on va pas être on va pas griller les étapes. Faire comme ça. Ouais, on va leur faire confiance un peu. Changer un truc, on va faire ça et on va passer sur ça. Voilà, comme ça au moins on a ça, on a tout. C'est sympa le petit Gogeta là comme ça. The chat is ready to display messages. Hello Gunnar. For the giveaway, it's for 4 years on global. Te moques pas de mon anglais, toi. Tu te tais. Chut. Chut. Pardon. Ah là là, cet anglais. Ah, c'est un anglais de merde, oui. En fait, ce qui me fait rire, c'est pas l'accent, parce que mon accent, j'ai pas de quoi me vanter. Mais putain, la phrase la plus simple du monde, t'as réussi à chercher tous les mots. Ah ouais, non, mais je suis vraiment mauvais en anglais. Ouais, tu me l'avais dit. Tac, tac, ok. Je fais juste un test. Si je fais ça, ouais, ça passe. Il faudra après que éventuellement je redimensionne le truc pour être sûr que ça passe bien. Ok. Ok. Allez, dis-moi que je gagne un niveau, s'il te plaît. Fais-moi plaisir. Non, du tout, Brasse. Il l'a pas. Bah de toute façon t'as vu sa box là, non? Yes. Refaire une multi, moi. Non, je sais pas, je pense qu'il avait tout claqué. Enfin, il me semble, après.
sauras mieux te le dire. Yes. Comme ça la caméra est un peu mieux. Tac. Je suis parti encore. Piccolo LR, c'était la récompense d'un ancien TB. Et du coup, sur les portails que vous avez pendant le TB, vous aurez 2-3 portails. Un SSR garanti que vous donnez des cartes. Enfin, deux SSR garantis. Et il y en a un autre, c'est un portail qui est lié au TB où c'est que des cartes qu'il y a eu pendant les TB, qui sont liées au TB. Donc vous allez trouver, on trouvera certainement maintenant le Tenshinhan LR dessus. Vous trouvez les cartes qu'il y avait en récompense du TB les années les mois, années précédentes, qui sont dessus. Donc comme il y avait un Piccolo LR en récompense TB, bah, il est sur le portail, et au même titre qu'il y aura, peut-être pas sur celui-là, parce que ça me paraît peut-être un petit peu tôt, mais si c'est pas sur celui-là, sur le prochain, il y aura le Tenshinhan LR. Qui permet aux gens qui n'ont pas fait ces TB là d'avoir les cartes quand même à un moment. De quand même les récupérer, ouais. Ce qui est à la fois dommage parce que c'est un petit peu la récompense d'avoir fait le TB. Mais à côté de ça, on peut comprendre que des joueurs qui ont démarré après, par exemple moi j'ai pas le Piccolo LR. Ça me déplairait pas de l'avoir, ne serait-ce que pour la collecte. Donc Ah non, mais on l'a retourné dans tous les sens, sa box Amras. Hein. C'est En boss de film, il a pas assez de cartes et du coup son Raditz, si on le fait partir en boss de film. Son Broly va faire plus de dégâts qu'actuellement, mais par contre son Raditz va rien faire en dégâts. Donc la seule alternative qu'on avait, c'était Rose Épui et puis une Team Rainbow. Et c'est pour ça, Dylan, qu'un step up te ferait beaucoup de bien à toi. Parce que si t'arrives à choper un Broly LR ou un Cell LR, et ben là on pourra commencer à parler d'une vraie Team TB. Et tu verras, oui, la différence entre ta team actuelle et une team, une vraie team TB. Mais bon, ça, autre chose en son temps. Bon, est-ce qu'on va pouvoir le passer en mode Zedard? J'y crois pas trop. À mon avis, on va se faire rouler dessus. Ouais, Raditz, je sais pas. Raditz, pour le coup, il est pas si mal que ça. Hein. Ouais, Raditz 100%, il tape hein, pour les petits nouveaux. Oh non, Raditz 100% est très bien. Hein. Et il a l'avantage de pas être rendu. Et je suis désolé de leur dire, il y a des gens qui sont pas d'accord avec moi, qui sont pro Broly DBS. Mais le Broly DBS, quand vous vous retrouverez face à une team, par exemple, bah tiens, je prends le cas de ma team. Je vais vous retrouver avec un Broly LR et un Rose Épui en face. Et bah, votre Broly DBS, il va pas clean. Ah oui, voilà. Non. Et des teams comme ça, bah, y en a beaucoup, surtout que là, comme sur le portail, il y a quand même pas mal de personnes qui ont le Rose Épui. Bah, vous allez avoir pas mal de teams avec du perso Pui, et du coup, ça fera pas un tour, ça en fera peut-être deux. Et des fois, c'est le deuxième tour qui pose problème. Et c'est là que vous allez devoir claquer très rapidement tous vos items, et moi j'ai eu ce problème là hein, sur le dernier TB, hein. Je suis arrivé sur une team endue, donc je peux en parler. Hein.
Et ça a été compliqué. Ah oui, un Zedard, on prend cher. Pour le moment, on peut pas faire du Zedard. Très bien. On est heureux. Là, compte des viewers, quand on voit comment il est géré, ça donne envie. Hein. Il est très bien géré, mais putain, avec la pauvre team que j'ai, laisse tomber, c'est une horreur. Albroly a l'air, il a l'avantage d'attaquer deux fois Amras, donc en deux fois il a le temps de clean. Non, Raditz, je dis pas qu'il va clean la team tout seul, mais derrière il va nettoyer et il sera limite plus efficace qu'un Broly DBS sur les quand on aura du Q en face. Ouais, Abyss. Moi, le dernier TB, j'étais parti sur un couleur endu, CLLR, Broly DBS et Black Goku avec les deux stunners. Et ça marchait bien quand j'avais pas de puits en phase et qu'il y avait du puits, c'était un peu chiant. Du coup, j'ai changé, je suis repassé sur mon ancienne team avec le Rosé Agi en lead, CLLR, Raditz et Broly DBS. J'avais pas besoin de support, les trois ils partent en spé tout seul. Donc et les deux stunners. Et là tranquille quoi, c'est passé, ça passait zip easy. Si si, on a toujours un multi Twitch avec Tel'Dan. Oui oui. J'ai linké le mien il y a pas longtemps. Bah tiens, parfait. Je vous le remets. Hop. Allez, t'es long là. Putain, je réaliserai ton souhait. Ton vœu, putain, mais qu'est-ce que c'est long. Alors. Alors, déjà on va se soigner. Je suis parti du principe que quand je suis avec Tel'Dan, il y a un multi-twitch systématique. Salut Mizunk, comment vas-tu? Ah, et DDS. Voilà, il finit. Hop là, alors. 10 DS en plus, youpi, on est à 52 DS. Merci Amras, effectivement, ça faisait longtemps. pile pour lui. Attends, y a pas Bouga encore. L'écran est un peu mal cradé, rentre dans le barlet. Oui, c'est parce que si tu veux, c'est mon écran de portable et pas l'écran du truc. Donc forcément, ça pose quelques problèmes. Moi, je pense que Boula il a cassé son ordi hier quand le PSG a perdu. C'est pas impossible. Mais bon, d'ordre général, on voit à peu près bien. Enfin, là, vous voyez pas, mais j'ai. Voilà. Ça, c'est bien. Vous voyez pas les DS. Comme ça, vous me dites pas, va invoquer. C'est très très bien ça. J'étais un petit peu fâché hier. Bon, c'est pas grave, ça passera. Oui. Ouais, contre Rennes, ouais. Est-ce qu'on se ferait pas une petite invoque? Attends, on réfléchit. Enfin, on réfléchit, non, je vais pas réfléchir. Putain, mais le Gogeta, là, il me fait plaisir en ce moment. Ah ouais? Décrit à plus de 4 millions sur le Goku Full Power. Ça fait plaisir. Est-ce qu'on s'est fait chier dessus par le portail ou pas? Alors a priori oui. Enfin on a rien du portail. Du coup on va regarder quand même
histoire de. Je vais regarder quand même le... ce que j'ai eu sur les invoques. Non, 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 quand là je parle de vraie invocation, truc d'homme. Abyss, comme tout à l'heure, là, tu sais, la multi où. Où c'est, ça part en... en fusion instant et. Comment ça, Abyss, je vais pas reroll, c'est-à-dire. Oh, la menace d'Amaras quoi. Et pourquoi j'invoquerai pas c'est sur un compte où je peux faire ce que je veux, où je m'en fous. Vous voyez? Ah je sais pas. Parce que ça me saoulerait de recommencer déjà alors que bon, il y a quand même des trucs à peu près potables dessus, enfin potable, je m'entends, c'est pas du LR, mais bon, dans tous les cas. Alors, Black Goku, fait le multi, on a eu de la merde. Merde, putain, quel con, j'ai fait l'abruti. On a eu de la merde. Ah si, c'est vrai, j'ai vu le. On peut s'en autoriser une dernière. On va s'en autoriser une dernière. Je le dis. Voilà, ce sont moi qui décide, hein. Alors Ah voilà quoi. Pourquoi il me propose ce compte? Voilà. Merde. Merci Amras. Menace, des menaces, contre Babtou, tiens, hop. Let's go, t'y pars. Blé, blé. Oh. Rainbow. Oui. Y'a du monde, y'a du monde. C'est pas les combos. C'est J3. Théoriquement, on devrait en avoir un du détecteur. Maintenant, faut savoir lequel. Nous, on veut pas. Bon. Lucas, toi, Yamcha, tu dégages. Je t'embrasse. Merci, Amras. Merci, Amras. Merci, Amras. Merci, Amras. Aïe, aïe, aïe. Merde. Et merde. Merci Amras. Non, c'est un doublon. Bon. Bah Botar hein. Bota Magetta, que voulez-vous? C'est pas grave, le compte est déjà bien verni. Il est pas à plaindre ce compte hein. Merci Amras, à peu près 10 fois, 8 fois exactement. Non, je désactive pas parce que ça le fait rire de flout comme ça. Et il est assez con pour le faire à 10 bits, donc je préfère autant qu'il donne que un par un plutôt que 10 par 10. Même si je pense que ça durerait moins longtemps. C'est pas le fond d'écran. Vous commencez à me connaître que je n'incite pas à la dépense et aux dons et tout ça et tout ça. Bref. T'as dit, t'as fini ton Evo? Ouais. Oh, bon, je me suis chié dessus. Je vais passer moi sur ma VOD de mes tickets. Venez pas voir. Entre nous, venez pas voir mes invocations de tickets si vous ne voulez pas rager. Si vous avez un self-control assez intéressant, vous pouvez venir. Si c'est pas le cas, restez chez vous. La merde, ça va le déconcentrer pendant qu'il.
prend qui parle et il dira n'importe quoi, il va bafouiller, il va bégayer. Ce qui est totalement fort possible. Par contre, t'aurais pas dit ça, tu vois. Là je sens qu'Amraz va arriver vite pendant que tu fais ton truc. Ça va être très gênant, tu vois. C'est de parler quand t'as un mec qui te balance des beats. Nine. Bon. Me fais un contrôle à 900, Amraz. Voilà, c'est propre. On arrête là maintenant, Amraz. Ouais, bah, je vais rester sur le vocal, ça change rien dans tous les cas. Tu vas dire des conneries et Amraz va me faire des conneries aussi, donc au moins. Non, je vais faire comme. De toute façon, c'est. Jour. Je vais rester. C'est que du commenté là, hein, donc bon. Je vais rester soft. Bon, et ben, c'est parti pour la VOD. Salut YouTube, toute petite vidéo pour faire un récap du coup de mes invos week-end. On va commencer déjà par le tout petit coup de gueule de Bando Namakai qui commence direct à nous faire des taux doublés un peu n'importe comment pour le dernier week-end. Donc bon, c'est un peu chiant puisqu'on avait quasiment tous claqué nos 20 premiers tickets sur un portail normal et que le dernier était doublé. Bon, dommage, c'est quand même gentil pour le cadeau, mais c'est triste d'en arriver là. Donc pour ma part, je les ai record et du coup, bah là, on va les commenter. C'est pas mauvais de mon côté, on va dire. On va regarder ça ensemble, mais pour le coup, ça restait des bonnes invos pour ma part. Donc on est parti, donc on lance. La première, Aego. Donc 10 tickets une fois, 10 tickets deux fois et 10 tickets trois fois. Je suis un petit peu long pour laisser le temps de commenter. Mais voilà. Donc les 5 premiers tickets. Yamcha, Krillin, Goten, Vegeta. Un lâcher non Rainbow. Une petite fusion, Vegeta au Blue. Direct, dès la première, ça met un jambe. Ça met un jambe pour un bon petit LR. Dès le début. Ça fait plaisir. Donc on l'attend. En gros 5 persos. Donc là on l'attend le petit LR. Une petite 6-18 que j'ai déjà 100%. Et le petit doublon du Gohan LR. Ça faisait très plaisir. Mon premier doublon de ce LR là. Donc là à ce moment là je suis là en train de regarder mon écran en me disant ok. Déjà c'est cool et pas cool. Mais bon, un petit Gohan LR en doublant, ça fait plaisir. Je vais pouvoir aller retaper un petit peu les Punch Machines pour voir qu'est-ce que ça peut donner. Bon, et la deuxième, bon, j'attendais pas trop de la deuxième. La première était déjà très bien, donc on y va, on regarde. Dans tous les cas, c'est gratuit. Ouais, c'est vrai, The Abyss. C'est vrai que le LR que j'aurais bien aimé avoir sur ces invokes, c'était le Majin Vegeta. Je l'ai pas et il m'aurait beaucoup aidé. Enfin, il m'aurait pas beaucoup aidé. Mais pour le TB, ça aurait été pas mal. Il me le manque et c'est vrai que j'aurais bien voulu l'avoir. Bon, ben. Il y a des mecs qui ont eu comme meilleure carte du topo. Hein. Ouais. Alors. Après, je me fais insulter. Je comprends. Donc pour les 10 premières, un petit Gohan LR, ça fait plaisir. Là c'est 18 que j'avais 100%, donc bon ben c'est pas grave. On peut pas avoir, on peut pas tout avoir. Deuxième fournée, bye bye. Alors la deuxième fournée, bizarrement je m'en souviens plus du tout. Donc j'ai pas dû avoir du lourd, mais je me souviens plus du tout ce que j'ai eu lors de la première fournée. Imagine LR en TB c'est 0 sur 20. Ouais, mais si tu pars sur une team full LR en TB c'est plus de points. Et imagine LR mine de rien il peut aider. Enfin j'ai déjà la team en tête, c'est vrai que j'aimerais beaucoup la faire pour la tester. Petit Goku Kaioken qui est SP 4 je crois, 4 ou 5. Et il a ses 4 doublons donc je les drop pour monter l'aspect tranquillement et ça va avancer. Ah mais les deux seront... En fait, la team TB The Abyss que j'aimerais faire, c'est Broly... Non, c'est Goku des 1000 jours ou le Goku des SBR avec Broly DBS, Broly LR, Majin,
Vegeta, Cellular et un support en dernière carte. Voilà. Allez, donc la deuxième fournée c'était le Goku Kaioken, Ange. Et on passe à la troisième fournée. Direct. Troisième fournée avec un petit Tenshian Shaozu, donc ça veut dire... Tenshian Shaozu, je crois que c'est détecteur, il me semble. C'est ça. Donc là j'étais plutôt content. Je me suis dit chouette, sont sympas ces invos. Bon, j'attendais beaucoup et pas beaucoup sur les derniers 10 tickets parce que bah, tout drop doublé, on se dit qu'on peut avoir du bon gros truc. Donc j'attendais pas grand chose. Et là, un autre LR. Et alors là, je me dis ça y est, pour le TB, ça va être bonheur. Et c'est une carte que je joue mine de rien pas mal en dehors. Donc le petit doublon du Broly LR, pareil, c'est mon premier doublon. Donc ça y est, il est déjà parti, full crit. On va s'amuser sur ce TB. On va vraiment s'amuser sur ce TB. Et le dernier bout. Avec un Satan dessus, ça aurait été mieux. Les deux stunners et deux supports. Ça va... Ouais, alors plus vite, pas forcément The Abyss, mais effectivement, ça utilise beaucoup moins d'items. Mais en termes de points, pour l'avoir testé au dernier TB, tu gagnes quand même pas mal de points en plus avec une team full alert. Je pense qu'on retestera là, ce TB pour que je vous le montre vraiment en détail. Mais ouais. Et voilà. Donc c'était la fin. Donc là voilà, c'est ce que j'ai eu. Je vais relancer la vidéo histoire que ça soit pas tout blanc et pas trop moche. Mais des bons tickets. Pour ma part, bon 30 tickets, 2 doublons de LR. Donc plutôt content. Et comment dire, j'espère que vous aussi aura été aussi fructueux que la mienne. Voilà. C'était juste une toute petite vidéo en passant. Je te souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, un bon appétit, un bon dîner, un bon goûter en fonction de quand tu regardes cette vidéo. Je te dis à la prochaine. Tchou. Hop là, ben voilà. Hop, ça, on vire. Voilà. Parfait. C'est de la belle team quand même. C'est de la belle invocation. Hein. Merde. Mais je sais. T'as oui, vu, j'étais sage. J'avoue. Non, voilà, c'était un truc. Puis j'avoue que je me sens mieux de jouer No Brain avec deux snares. C'est vrai. Je t'avoue que... Mais je me suis fait... le dernier TB, je me suis fait ken, mais tellement de fois, à vouloir aller vite. Et j'utilisais des objets changeurs de ki. Et en fait, j'utilisais l'objet, je cliquais de suite et je me faisais ken à chaque fois. Il faut attendre une seconde et c'est très chiant. Ah bah pareil, Amras. Hein. Moi, j'allais chercher le Trunk Emai quand même, parce que je voulais au moins une fois. Et derrière, je voulais avoir d'autres LR. Bon, j'ai eu... Alors, l'histoire, la légende raconte que à 600 DS, j'avais le Trunk Emai, le Beerus, le Mighty Mask. Et deux doublons sur le Trunk Emai. Mais... Que croyant que j'avais déjà dans ma tête, j'avais eu 3 Trunk Emai et du coup, j'ai eu 3 doublons. Donc instantanément, j'ai été foutre. Enfin, j'avais eu 3 Trunk Emai, ouais. Et pas que c'était le troisième. Du coup, je suis allé au lieu de partir en haut à gauche pour mettre le deuxième doublon, comme j'aurais dû. Je pensais que j'avais déjà ce doublon débloqué. Je suis allé en haut à droite. Et donc je me suis dit, ah bah non, tu peux pas, là, en bas à droite, en haut à droite, il y a un fail, ça va pas, tu réinvoques, tant pis, faut que t'aies un autre Trunk Emai. Du coup, j'ai rajouté 400 DS pour avoir ce Trunk Emai. J'étais sérieux. Ouais. Oh, le type, quoi. L'orgueil a parlé. Ah ouais, complet, hein. Bon. Le portefeuille a parlé un peu aussi. Tu m'étonnes. Ouais, je l'ai pas. Après, à ce moment-là, je voulais... un petit peu de sous, je pouvais me permettre de me faire une invoque de la grid, c'était pas trop trop dramatique en soi, tu vois. Mais il fallait pas. C'est la grid pure et dure. Alors mon objectif pour tous les TB, quel qu'il soit, c'est le top 20 000. Voilà. Je veux la carte. Mais d'habitude je dis ouais c'est bon, je fais ça. Et puis je commence à jouer et j'arrive plus à m'arrêter. Du coup je suis dans les top 1000 je crois. Top 1000 voire même top 500. Quasi tout le temps.
Mais là, pour ce TB là, j'aimerais faire un top 200, un top 1 local. Là, pour ce TB, je cherche le top 1 local, c'est ma priorité, après, peu importe. Mais ça va dépendre de comment je vais pouvoir le former. Je pense que je vais le former dès vendredi matin avec mardi. Samedi, comme tous les samedis, ben, je bosse, donc je peux pas le farmer, donc je perds pas mal de place à ce moment-là. Et après, je sais pas quand est-ce que ma copine rentre de Paris. Et en fonction de ben, quand, si elle rentre dimanche soir, ben, je vais pouvoir farmer samedi, dimanche. Et si elle rentre samedi soir, ben, je pourrais farmer que vendredi et samedi, parce qu'à mon avis, le dimanche, ben, je vais passer la journée avec elle. Je l'aurais pas vu d'une semaine et demie, donc ça va dépendre de. Ça va dépendre de tout ça. Ça va dépendre de tout ça. Ouais, il faudrait que je me... Je t'avoue que... Là, pour le moment, mon top TB... Toujours alors, pareil. 200, ça va, ça se fait bien. Un top 200, ça va. Je l'ai vu farmer, il le fait easy. Hein. Oui. Mais voilà, après... ce qui me pose beaucoup de problèmes... J'aimerais... Et de toute façon, je l'ai dit, dans mes projets, ça sera vraiment un de ces quatre de poser mes jours de repos un samedi et un lundi. Et de le farmer vraiment comme un cochon. Mais pour le moment, je bosse les samedis. Donc, je peux pas farmer tout samedi. Et c'est compliqué. Et vu que je bosse, je peux pas me permettre une nuit blanche de vendredi à samedi. Donc, bon. Un peu plus compliqué. Mais voilà, les derniers TB que j'ai fait. Je commençais le vendredi. Je me prends pas trop la tête. Je commençais le vendredi vers 13-14h. Je me couchais vers 2-3h du matin le vendredi, je partais taffer. Et le samedi soir, je lançais mon truc et je m'arrêtais le matin. Et puis après, le dimanche, quand je me réveillais, je continuais. Et on partait une nuit blanche avec, on partait sur une nuit blanche avec mardi jusqu'à la fin du TB. Là, est-ce que ça va être possible? La nuit blanche de dimanche à lundi, je pense pas. Et on verra pour samedi, dimanche. Je sais pas ce qu'on avait été foutu sur ton stream. Le TB on s'est connu. Ouais. Parce qu'on était quand même. Ah non, il y avait Nika qui était, qui y avait... était chez lui. Il était rentré chez lui, il avait fait le fragile, c'est vrai. Ouais. Il était rentré chez lui et j'étais avec Pioups. Et puis Nika qui nous dit oh je regarde un stream ou un truc comme ça. On avait débarqué commencé à déconner entre deux tours d'attaque. C'est ça. Et c'était la première fois que je prenais que j'allais en vocal avec d'autres personnes. Comme quoi, le feeling s'est fait de suite. Bah après, il y avait le côté, t'étais parti pour faire une nuit blanche et le faire en vocal avec des gens, ça t'arrangeait bien quand même pour t'aider à tenir. Ouais, ah ouais. Et j'avais fini, je crois. Non, c'était là, j'avais fini ouais, dans les top 200, je crois. Oh non, c'était. T'étais top 500. C'était celui-là ? T'avais été cherché. Ou t'étais juste au bord du top 500, ouais, un truc comme ça. Alors, c'était celui d'avant où j'avais fait top 162, je crois. Ouais, mais bon, pour le moment, mon record, ouais, c'est ça, top 162, et j'aimerais bien mon bah, tu gagnes un peu plus d'orbes, enfin de sphères, ouais, ouais. Simplement, puis quelques cartes en plus, enfin une ou deux cartes de plus, y a pas de quoi fouetter un chat, mais. Mais c'est vrai que moi, sur un TB perso, ce qui m'intéresse vraiment le plus, c'est les orbes. Concrètement, c'est les orbes de potentiel. Bon, la carte, le SSR qui te file. Ouais, c'est cool pour la collection, je suis content, mais sinon après c'est vraiment ouais, les orbes qui me... Bah... Honnêtement, Yue, le top 200 ça te donne quand même pas mal de sphères, et je me demande si c'est pas worth un moment de claquer 50 DS. Faudrait que je regarde exactement comment... Moi je sais que par exemple. Merci Opium! Et yo aux arrivants! Et bonsoir aux arrivants aussi, bonsoir, bonjour aux arrivants. Moi je sais que pour le moment, à chaque TB que j'ai fait, et même en faisant des top 200
on va dire top 500 régulièrement. Je suis toujours ressorti positif en termes de DS. Pour ma part. C'est pour ça que j'ai dit Opium et pas Amras. Opium qui vient de l'Ouest. Plus qu'une chose à faire, démissionner, larguer la copine et go number one. Ouais. Ouais. Alors le problème, c'est que si je démissionne, ça va être compliqué. Je pense que je me fais trucider par pas mal de gens. Notamment sa copine. Ouais. D'une. Et puis bon, après non, j'ai des factures à payer, j'ai tout ça à payer, donc non, je peux pas. Je démissionne pas comme ça. Mais après, prendre un jour de congé pour le faire, oui. Il a pas dit non pour virer la copine, par contre, hein, vous avez vu. Ah, n'exagérons rien. Ouais, bah ouais, ouais, après. Non, puis il y a, la hype de la compète aussi. Surtout. Tu vois ? Moi, c'est clairement ça qui me fait. Qui me fait y aller. Je suis juste déçu que les récompenses soient pas. On n'ait pas quelques DS de plus en récompense. Parce que je trouve ça un peu vraiment léger. Mais sinon, voilà. Moi, je suis un mec qui a besoin de se mesurer la bite de temps en temps. Tu vois, c'est. Je confirme. Pas par rapport aux autres spécialement, à dire, ah, t'as vu, je suis meilleur que toi, ça, je m'en branle. Je suis pas là pour faire un concours de bites. Par contre, j'aime bien savoir comment je me situe. Ouais, je le rejoins totalement dans ce qu'il dit. J'irai pas me foutre de votre gueule si vous êtes derrière moi. J'irai pas rager si vous êtes devant moi. Par contre, me dire à un moment, bah tiens, ok, ma place elle est dans le top 100, elle est dans le top 50, elle est dans le top 500, dans le top 5000, bah, ça me permet de me jauger, de savoir ce que je peux faire. Et j'estime aujourd'hui pas encore avoir atteint ma limite de classement sur le TB. Et le jour où j'estimerai avoir ne pas pouvoir faire mieux, là peut-être que je ne ferai pas le TB. Mais je suis... Ou alors moins sérieusement. Bah, je ferai les récompenses, quoi. Je ferai le strict minimum, mais... Je trouve que c'est mal fait, parce qu'entre ceux qui se relaient ou ceux qui dorment pas, ils jouent leur vie, y a pas vraiment compète, c'est juste une bonne team et de la rapidité, en plus, les récompenses, je trouve que t'es pas récompensé. Ouais, clairement, les récompenses... Je me suis chauffé là. Hein? Je me suis chauffé, j'ai cliqué sur Battle Road. bataille contre les boss. Boss 1, on est d'accord que jamais ça passera avec une équipe. Avec une équipe avec. Non, ils sont même pas TUR, t'as personne. Ah ouais, non, y'a que dalle. Et puis bon, va trouver un lead pour t'aider. Je suis prêt topo. Ah sérieux, il a vraiment été, il a même pas les persos level 80. tu feras jamais. Oui, je vais me faire des attaques P à 30 000 et vu tu es des boss qu'on est. Ça. T'as même les rotations, elles sont merdiques quoi. Aïe aïe aïe. Oh, la galère! Ce que je trouve dommage, c'est les mecs qui font des rotations. Les mecs qui font des rotations? Ah oui! Ouais. À plusieurs sur les comptes, ouais, j'avoue que c'est pas très. C'est. Ouais, c'est chiant. Il mettrait un ticket LR pour premier, un ticket lead pour le deuxième, cinquième, sixième et ticket mono, là c'est intéressant. Non mais juste au moins filer 50, rembourser les DS quoi, tu vois. Moi pour moi ça devrait être un truc gratuit. Et voici ma mort en direct. Après,
Attention, je suis mort. Voilà. Non, c'est gentil, Abyss, mais je suis parti au suicide, quoi. Voici mon équipe, quand même. Hein. Voilà. Voilà, voilà. Ouais, c'est, moi c'est le seul truc que je trouve énervant vraiment, c'est les mecs qui font tourner le compte. Et c'est la seule triche qui est pas détectable dans ce TB quoi. Enfin dans le TB. Grosse équipe. Ah, best équipe ever. Hein. On peut pas faire mieux là. Mais ça me saoule, je pensais que mes rangs ils allaient augmenter plus vite là. Putain, c'est la galère. Je pensais jouer non-stop et tout, mais même pas quoi. Mais t'as pas fait le. T'as fait du mode story, pas l'event qui a le week-end. Tu parles de la PAN? Non, non. Événement. Tu sais, les trucs héros et. Ah ouais, non, ça je peux pas les faire. Hein. Sérieux, ça passe pas? Oh, je pense pas. Hein. Contre-attaque sanglante et plan d'extermination? Bah déjà. Peur. Déjà, je peux pas faire une team extrême, je suis obligé de partir en super. Mais non, mais au pire, tu fais celui que tu peux faire en super. Il y en a un oui, des deux, ouais. Ça se fait en extrême et l'autre en super. Ouais, ouais. Il y a masse DS à récupérer, ça explique pas trop mal et ça coûte pas cher en ACT. Ouais, c'est ce que je viens de voir, mais Tu je passes, hein. Je vais voir si ça, ce que ça donne. T'as combien de DS là sur le compte? 52. Non. Dites-lui de faire 10 singles les gens. Il a dit qu'il écoutait ses viewers alors. 10 singles? Allez, je vous en fais une, regardez. Hop là. Et de une. Sac à merde. C'est vraiment un sac à merde. Et quoi que sur un. Je peux choper un R sur un. Sur un malentendu. Sur un malentendu. Ouais. Ou une videle. Ouais. Ou une videle mange bite. C'est ça. Mec, il y a tellement pas de. Méga viveur. Ah, mais oui, c'est vrai que du coup. Rajoutez-moi un ami. Rajoutez votre futur compte un ami. Je vais avoir plein de leads tout un pété. Faux compte, 1, 2, 3, 2, 4. Non, mais tu te fous de notre compte. Ouais, j'avoue que pour le coup. Si vous regardez, il a liste d'amis, il en a un et c'est moi. Voilà. Bah, allez-y, rajoutez votre futur compte. Vas-y, remets. Hop, hop. Tu te fous de ma gueule à foutre du. Et le perso que tu mets? T'as intérêt d'avoir un Broly à l'air pour le TB, hein, sinon je te dégage. Tu parles de moi? Ouais, oui, oui, d'accord. Je sais même pas qui j'ai mis un. Ah oui, putain, j'avoue que le perso de soutien, c'est un peu la merde. On va déjà mettre un petit peu plus lui là. Merde, c'est pas sur Shenron que je vais. Je veux des amis, je veux des amis. Yeah, j'ai une demande de Maek. J'y crois pas. Quel. C'est mon compte TV. Quel enfoiré. Petite signature, tu vois, à base de Krillin FR. J'y crois pas. Vas-y, quoi. Tu peux aller. Boss Rush 6, niveau 6. Là, même tu vas sur la Jap, tu fais niveau 8. Ah ouais, non, je l'ai fait tout ça. S2 ma gueule. Je pars sur. Je pars sur le SBR, je prends même sur le SBR super là. Allez, hop. Ah, c'est bon, ça on est content, ça on aime. Bim, allez. A tout, Amras. Yep, à plus tard, Amras.
je peux rien faire. Ouais, je te remets ça. Tu peux remonter ton. Remonterai ton. Ah oui, bien sûr. Alors. Je vais vous le mettre. Je suis en train de le mettre là. NP. Je vais le mettre, t'es un macro. Vous voulez mon compte main en ami? Ok, alors vous ajoutez aussi le compte reroll. Par contre, avant de le donner, tu vireras tout le monde. Hein. Oui, bien sûr, oui. Après, j'aimerais bien connaître la suite du compte, tu vois, avoir quelques infos. Ah bah après, si tu fais, tu pars dans l'idée comme moi de le filer, de le faire gagner à un tes viewers réguliers, du coup tu pourras suivre le compte. Bah, je pense que ce que je vais faire, 1, 2, 3, 2, 4, 8, 0, 6, 6, 1, ok très bien, hop, et du coup si là je fais, merde c'était pas celui-là, c'était l'autre, moi. On n'a plus de compo pour passer Goku level 120. Attends, The Abyss, c'est toi, Berserk? Enfin, après, j'en croise beaucoup. Ouais, c'est lui. Hein. Mais un Berserk, j'en... Enfin, ouais, je sais pas. Je dois... Si ça se trouve, j'étais même... J'étais même sur mon compte principal, j'étais même très souvent un ami. Parce que je cherche surtout des Goku comme ça et... Il y a peut-être moyen que je t'ai chopé, que je t'ai pris un ami plus d'une fois. Il t'a pécho, ouais. Je t'ai pécho. T'étais trop bonne d'ailleurs. Tu m'as fait vibrer, bébé. Ah, ouais. bon, mais du coup, vu que ce pauvre truc-là, j'ai plus grand-chose à faire dessus, à part attendre que son ACT se recharge. Allez, une petite DS là pour refresh le. Non ? Oh, ok, ok. J'arrête. Oh, multi-soon, hein. Multi-soon, les gens. Multi-soon. Soon la multi. Soon, soon. J'ai là. Hop. Ouais, donc là, c'est mon compte. C'est mon vrai compte. Bah, non, je préfère l'autre en ami, hein, parce que celui-là est puant. Ouais, celui-là il est pas top, j'avoue. Suna, Suni. Ah merde, j'avais pas fait mes invoques du week-end. Oh. Et on va faire ça aussi. Hop, 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 hop. Ton régénéré en haut du classement, ça faisait beau. Mais ouais, mais je t'ai déjà vu plusieurs fois dans ces cas-là. J'ai pareil, j'en ai un, j'ai un Berserk que je vois régulièrement, surtout pendant les TB, mais il est un mage, il a un majuscule. What? 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 Qu'est-ce qui t'arrive? Non, il y a un concours de blagues, j'ai l'impression, qui s'est lancé sur moi. Ah oui. Et le problème c'est que bah, ils ont tous perdu. Voilà. Ah. Bon. Bah à l'heure. Voilà. Je t'autorise. Et du coup merci pour le follow RXShedDR. Merci beaucoup. Ah, j'avais compris RXShed.
Genre Shell. Mais c'est ça, Shell. Ah non, c'est Shell, putain, j'ai cru que j'ai vu un H. Autant pour moi. RX Shell DR. Pardon d'avoir écorché ton pseudo. Et merci pour le follow aussi, RX. Et attendez, je crois que. Qui refresh. 600 tout pile, voilà, 600ème follow. GG. Merci à tous. Avance, Yantiman. Ouais. Allez, dégage-moi ça. Tu vas les donner. Bonjour, bague inconnu, c'est ça. Mais là, j'ai attendu qu'il y ait le nom. Hello, cette fois. Mignot. Salut, Mignot, comment tu vas? Ça va, Mignot. Ouais, on va en faire un nouveau, ouais. Vous voulez le faire maintenant, là? Je fais mon invoque et je lance Photoshop, hein. Je suis un gueudin, moi. Vous connaissez pas, hein. Moi, je crache par terre et tout, hein. Moi, j'ai montré mon Didi à mon docteur un jour, hein. Ok, très bien. J'en suis à 7, parfait. Alors... Je me demandais... J'aime ça parce que moi on peut pas tous les sacrifier non plus, hein. Est-ce qu'on pourrait pas donner un truc un peu plus choupi? Ouais. Ouais, c'est bien ça. Allez, oup. Je vais donc en plein de persos inutiles. Deux persos inutiles, youpi. Ah putain, alors est-ce que lui je le docane ou pas? Ou est-ce que je vais lui farmer sa spé? Bon, pourquoi par contre? Mec relou quoi. Ouais. Migaté, non, je fais pas sur ce compte là, je crois. Non. Non, par contre, je me tâte sérieusement à lui filer 8 vieux Kai. Enfin, 8 Daikai plutôt. Parce que Goku SSJ4, quoi, quand même. Merde. Pas déconner, hein. Ah, mais non, j'avais pas fait mes invoques du week-end sur ce compte-là. Ça tombe bien. Tease tombing, pas mal. Je verrai ça plus tard. Encore lui aussi qui a besoin de... Alors, mémoire. Attention. Voilà. C'est bien ce dont je me souvenais. Je suis pauvre. Vous m'entendez? Arrêtez de me donner des bits et donnez-moi des zénis. Là, moi ça me servira. Bon, du coup ça c'est bon. Qu'est-ce qu'on voulait faire? Du coup on a dit invoque, hein. On va commencer dans la sauftitude. Voilà. C'est ça. Ça, voilà, attention, c'est parti. Oh, on est dans le détecteur. It is el detector. T'as mis, j'en ai combien là à farmer encore? Bon, on va voir, ça peut faire une petite coupure farm. Ouais, je sais, ouais. Mais j'ai tellement de trucs à farmer à côté, Sarcoq, que du coup, je prends pas le temps de le faire. Et comme j'ai pas besoin du Celtec pour le moment, c'est pas gênant. Ah, El Famoso Bergamo.
Allez, la single là. Ah, topo sur ce compte là, je crois que je l'ai. Non, je l'ai pas. Bergamoche, ouais. Ah, je le respecterai peut-être quand il aura un TUR, mais pour le moment, j'ai aucune raison de le respecter. Hein. Allez, détecteur. Ah non, là, il faut une clé, donc on passe, on le fera plus tard. Bargapute, ouais, c'est ça. Barapute. Allez, hop, on est parti pour faire lui. Très bien, bonne carte. Moi j'ai déjà, hop, c'est bon. Gogeta SSJ2. Ouais, le puits. Ah, celui que t'as dans ta team. Oh, il est pas mal. D'accord. Mon Broly avec doublon, il est toujours niveau 100. Oh, Vegeta. Est-ce que tu me fais plaisir? Est-ce que tu me fais plaisir? Est-ce que tu m'enverrais pas me faire enculer là par hasard? Ah ouais, il est worse, ouais, Bis, ouais. Il est bien ce perso. Voilà, Docteur Gero. Ok, on aime avoir Vegeta sur le. Allez, la dernière single du désespoir là. Re-Vegeta. Regarde ce que j'ai mis sur le Discord. Alors, ouais. Qu'est-ce qu'il m'a mis sur le Discord, Mignot? Un caca sur le nez. J'espère, général. Buta, eh ben il irait bien se faire enculer lui. Alors invoque maintenant. Hop. On va essayer ce qui nous intéresse. C'est bien Mignot. Qu'est-ce qu'il a fait Mignot? Il est premier de mes viewers. Voilà. Comment ça il est premier? Avec les points avec les points merde. Avec les points Kikatbot. Ah. Enfin les points je me suis compris. De toute façon Kikat il bat de mon nom, alors déjà moi je peux pas jouer hein. Ah. Chacun son allez. Truc. Sous parti mon kiki. Pour un tour. Oh, ça tend sur vous. Ah, t'es bon, sérieux bon, bon, bon. Ouais, oui. Ah, puis Rainbow en plus. Allez, hop, je me touche les tétons là. Bah, bah, bah. Mais quel fils de chien. SSJ4 à Godku. Godku. Bon, c'est bon là, normalement ça devrait bien se passer. Non, mais là on est plus qu'en détecteur, Dylan. C'est... On est en viol de portail là. Alors, let's go, Zaru. Pas mal, mais on veut pas. Putain, je peux pas voir, ça me saoule. Bardock SSJ3. Très bien. C'est bien ça. Tu peux faire mieux. Kaioken endu. Je peux mieux faire. Putain, mais à chaque fois que je le vois. Mais va niquer ta mère, toi, Gohan. Bon, on est sur un. On est parti sur 5 SSR. Donc... Ça va. C'est correct. C'est un doublon sur le Bardock. C'est un doublon sur le Bardock. C'est un doublon sur le Gohan. A chaque fois que je vois pop celui-là, j'ai l'impression que j'ai le LR. Vraiment. Ah putain, celui-là. Ouais. Ah, il est horrible. Le Gohan de merde là. Ouais, je vois. Lui, on l'avait pas. Le Thalès c'est très bien. Mais j'ai déjà. Ça fera un doublon. Non, en vrai c'est bien. Hein. C'est une belle multi. Juste. Vu les animations qu'on a eues, j'en attendais un petit peu mieux. Voilà, pour être franc. Oh, le mec, il fait son compliqué en plus, quoi. Mais quand on fait un Satan sur bout, Rainbow, Goku, tu t'attends à avoir 12 SSR sur un truc de 10, quoi, tu vois. Tu t'attends à rien, quoi. Arrête de faire ta... Yo, GGT, je suis à 41 DS. J'espérais lire le Goku SSJ4. Bon, je l'ai doken tout à l'heure, moi, je suis...
Tiens, regarde, Mignot, si tu veux faire un screen, si tu veux faire un joli screen de ta première place, hop, regarde, prends celui-là, il est plus joli. Gone fake air et 7-8 tech, mais pas la bonne. Putain, j'avoue que ça, ça fout la haine. T'as déjà créé le compte pour les 4 ans? Ouais. Ouais, Mignot. Mais il écoute pas ses viewers. Comment ça, j'écoute pas mes viewers? C'est vrai, on t'a dit d'invoquer. Chut. On t'a demandé de faire des singles, tu veux pas les faire? Chut. Soukou merde. Chut. Regarde, les gars. Il est où? Il est parti, ouais. Il est là. Ah mais d'ailleurs on va essayer de, on va le continuer. On va gagner notre rang. Par contre il y a un truc Invocation sur jeu open field. Non. Merci, ça va me faire un beau fond d'écran derrière, Mignot. Il y a un truc qui me plaît beaucoup là quand même. C'est quoi? Bah regarde. Mais je vois rien. J'ai des écrans noirs sur tous les lives depuis tout à l'heure. Putain. Soupou grave. Soupou grave. Et du coup, je vois, je vois que dalle. Ça va et toi, Belzog? Je sais, ouais, Mignot qui est un peu mal cadré, je sais, je sais. La team tech sur le compte là, elle est assez énorme. J'ai le Goku SSJ3LR, le SSJ4, enfin le full power quoi. Ouais. Gogeta SSJ4, Goku Ange SSJ3. Tapion Tech, le Godku, puis le Vegeta Garlic, la Bulma, j'aime bien, ça mousseux. Va. Est-ce que ça serait pas le moment peut-être? J'ai vraiment pas envie de claquer mes fantômes portiers. En fait, c'est ça qui fait que j'hésite à aller faire le SBR, à aller tester le SBR. Ah. Oh oui, avec une team comme ça, il y a peut-être moyen de faire un vol. C'est possible, ouais. Ah, normalement, il est... je l'ai un peu mieux cadré. Hello. Le truc, c'est que si je repasse sur mon téléphone, du coup, c'est... c'est mon cadre qui est plus du tout bon sur mon téléphone, quoi. Zama Black sur la Jap. GG Belzog. Ce qu'on a. On a pas le. Si, on a le Gotenk SSJ3, il me semble, sur ce compte-là aussi. Peut-être pas. Ah non, c'est pas sur celui-là, pardon. Au town. Ah si, voilà, il est là. Faudrait que je monte. Faudrait que je monte. D'ailleurs, voilà. Il est prêt. C'est juste qu'on n'a pas les médailles. Hein. Je tiens à le dire. Oui, non, mais ça je sais, là je peux passer en team tech. Hein. Je veux dire, il y a un moment, faut pas. C'est juste que. Oh putain, j'ai pas gagné mon rang de merde. Je voudrais éviter d'utiliser mes fantômes portiers, tout simplement. Ou alors je fais un test sans fantôme. Bon courage. Ça coûte rien. Vas-y, on va faire ça. Choper le Gohan Super Saiyan Future Tech. Bof. Bof GCT. Bof bof. SBR. SBR frère. Super. Super Tech.
On va voir ce qu'on a à Abyss. Par contre, en Amylide. Oh merde, non. Contre Super Tech, connard. Prends à lire. C'est contre Extrême Magie, du coup. Mais alors. J'ai dit entre un Goku LR et un Gogeta. J'ai chier chez le Gogeta, c'est le lead. C'est très moyen. De quoi? J'ai pas du tout compris ce que t'as dit. J'hésite entre un prendre un Goku LR pour le Battle Road contre Extrême Magie ou un Gogeta SSJ4. Un Gogeta SSJ4 contre Extrême Magie Super Tech. Ah Bah non, Gogeta. Bon, sinon je prends un Goku Freezer. Oui. Tu vas perdre 30%, mais faut voir après ta team si elle récupère sur le reste, quoi. Un peu plus que 30%. Je serais presque plus tenté de prendre un Goku Freezer qui va juste s'envoler. Vas-y, on va faire comme ça. Dose doublonos, allez hop, on va faire comme ça. On va la jouer safe. Ouais, mais non, on va pas modifier cette team là. Ouais, celle-là me sert plus. Hop, alors. Comac. Mais. Chronica. J'ai presque envie de virer, d'en virer un Jaco. Ouais, non, mais ça, un Goku Freezer, ça se trouve facilement à Abyss. Merci streamer OP98 pour le follow. Merci beaucoup. Ça fait beaucoup. Deux fois Goku LR Abyss. Non là j'ai pas fait l'ordre hein, encore. Je regarde déjà pour verrouiller les unités. Mais oui, il faut que je fasse rentrer le Vegeta de toute façon. Comment ça? Si c'est par rapport à l'aspect je vais le monter, je me tâtais tout à l'heure. Oui, non, les rotas pour le moment, j'y suis pas. Je suis pas sur les rotas encore. Je fais déjà la team, après je réfléchis les rotas. Effectivement, là il me sert à rien le Goku ici. Bah, c'est 18h. Ouais, je vais arrêter mon live pour faire une petite pause et manger. Miam miam. Et je reviens plus tard. Yeps. Babounap. Eh bien, merci à toute allure. À toutes. Hop. Allez, bisous. Bisous. Merci pour le host. De rien. Et welcome aux gens qui étaient chez Steldan. Chez Jean-Michel Tendan.